J'ai la voix encore cassée, donc il faut que je l'aménage. Mais je me sens quand même fort mieux. Comment vous allez, mes petits lapins? Quoi de neuf chez mes petits choupes? À part qu'il fait beau de ouf. Enfin, je ne sais pas pour vous dans votre coin, mais tu as l'air beaucoup mieux. Ouais, ça va. Je suis bien. En fait, hier, je suis sortie. Aujourd'hui, je suis sortie. J'ai même fait un resto aujourd'hui avec les parents de Bébou et Bébou. Mais je suis quand même... En fait, la retombée est rude, tu vois. Mais ça va mieux. Ça va clairement beaucoup mieux. J'ai mis le chant du loup hier. J'ai adoré. J'ai mis 19. Tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. À part en mettant 19 à Angélique. Mais bon, on va pas changer le passé, hein, Priya. Hein. Clairement, hein. Ah non, et Kay, il flotte, fait 9 degrés. Ah, ah il faut venir à Grenoble. Ça. Ton coucou m'a fait peur, mais je suis contente, c'est mes streams préférés. Bah, Samot, non. Genre, Disney, c'est les streams préférés de Samot. Qui eût cru? Genre, waouh. Tu sais que Samot, il fait des fixettes. Vraiment, genre, c'est un stade où ça m'inquiète pour lui. Tu sais, le manège, là. Hey, tous les DM parlent de ça. Il parle plus de la meuf, là. Il me parle que de ça. Les tasses, là. Que de ça. C'est préoccupant, hein, un petit peu. Hein. C'est motivant, ça, Nymphée. Hein. C'est motivant. On va faire le dream. Snap, 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 snap. Je suis en vacances pour une semaine. Nice. Alors, attends. J'ai tourné un peu mon écran. C'est vachement plus agréable. Voilà, parce qu'il n'était pas face à moi, exactement. Donc, autant que j'en profite. Au niveau de l'event, oui. On était très bien. On était très très bien. Bon, allez. On va récupérer le Dream Snap d'avant. 600 pierres de lune. Franchement, mon ambiance maléfique, elle était stylée. Hein. Je trouve ça vaut plus. Mais bon, après, je ne suis personne. Voilà, je ne peux pas décider seul et arbitrairement de ce que je trouve stylé ou non. Mais... c'était stylé. Je crois qu'on a trouvé un héros. Je trouve que c'est stylé quand même. La santé, qu'est-ce que ça donne? Ça va mieux, je vais mieux. En fait, j'ai vite la tête. J'ai vite mal à la tête ou la tête lourde quand je fais quelque chose. Genre là, en rentrant. Parce que du coup, on a fait resto puis course. Et j'avoue que heureusement, les parents de Bébou nous ramenaient en voiture. Enfin, m'ont ramené en voiture. Après, ils sont repartis encore eux en vadrouille. Et dans ma tête, j'étais en mode heureusement parce que. Genre, je tenais plus quoi. J'étais vraiment fatiguée. Mais tu vois, genre, je me suis posé 30 minutes et ça va un peu mieux, donc... C'est le centième... C'est vrai, Hermione, j'y pensais en plus tout à l'heure, j'ai oublié. C'est le centième stream Disney. Là, on est en train de vivre le centième stream Disney. Est-ce que c'est pas incroyable? Ça va aller de rester devant un écran pour ce stream... Ouais, ouais, en fait, j'ai hésité entre aujourd'hui faire le stream Disney ou faire stream courrier. Et je me suis dit, comme je suis quand même fatiguée... je vais plutôt faire Disney parce que je m'arrête un peu quand je veux, même si je m'arrête pas... rapidement, mais tu vois ce que je veux dire, alors que les courriers faut que je les tienne, faut que je les lise tous, enfin ça demande plus de travail, tu vois. C'est pas un fond d'allergie, si si, je suis un peu allergique, alors je suis léger hein, pour le pollen, mais c'est vrai que j'ai une petite intolérance, on va dire. Ah oh, bah tant mieux Alice, ah oui je pensais que t'étais plus loin déjà, et merci Maeva pour ton reprime, et merci Liv Bergamot pour ton follow, merci beaucoup. Donc ça on a pris, hop. Avec le roi du rocher des lions. Passe du temps avec le roi du rocher des lions. Vous voyez pas parce que je suis devant. Bah ça va être Simba. En sachant que pour moi c'est Scar. Hein. On va pas se mentir. Hein. Mais Simba, Simba... je suis désolée, dans le jeu, en les côtoyant au quotidien, on voit bien qu'il y a l'étoffe d'un roi et qu'il est un petit bolos soumis à sa meuf. Voilà. Hein. On va pas se mentir. Hein. Après, voilà, il a mal tourné, mais... prends soin de toi, en tout cas. Moi, oh, t'es chou. J'essaye. Mais là, faut quand même que je... Tu sais que là, j'ai pas travaillé du coup de la semaine en dehors des streams. Et j'ai fait un montage, mais je veux dire, j'ai pas tourné. J'ai plus du tout d'avance niveau taf, ça va être... Bah, c'est pas toi, Simba. Tu ne diriges pas cette vallée, voilà. Tu n'es pas le roi. Mais il faut passer 30 minutes avec, donc écoute, allons-y gaiement. Hein. Alors, Scar a l'étoffe d'un roi quand même. Oui, bah si, techniquement, il a l'étoffe d'un roi, juste il est méchant et pas bon. Mais il a l'étoffe. L'étoffe, ça veut pas dire le talent. Hein.
C'est, il a la matière. En même temps, c'est un fils de roi, hein, Scar, techniquement. Il aurait bien tourné. Les débats auraient pu être autres, quoi. Mais c'est un connard, voilà. C'est sûr. C'est un psychopathe et tout, mais on aurait imaginé autre chose. Alors, est-ce que j'ai autre chose où je peux passer chez Picsou? Oh, les gemmes oranges. Les gemmes oranges, elles vont me péter les coucouilles. Ah, attends, on va parler à Woody, vite fait. Je crois qu'il était dans le coin. Ouais, il est chez lui. Ah, tiens, et Good Good, je vais voir ce qu'elle veut aussi en même temps. Comme ça, on est plié. C'est un plaisir. Je trouve pas du tout. Bah... C'est un mauvais roi? Ah, ma porte va claquer. Boum. Est-ce que j'ai un truc que je peux mettre devant pour pas qu'elle claque? Qu'est-ce qu'elle veut comme cadeau? Qu'est-ce que je peux mettre pour pas que ma porte elle claque? Attends, je vais tester quelque chose. Au pire des cas, tout se casse la gueule, ok? Ah non, j'ai une meilleure idée, j'ai une meilleure idée. On va mettre ça plutôt. Hop. Non! Bon, c'est pas grave. Y'a un peu des trucs qui sont cassés la gueule. J'ai 2-3 trucs perdus en route, mais... Ouais, alors la porte, elle est haute par rapport au sol, je peux pas mettre un livre. Mais j'ai mis un sac plein de trucs. Elle veut du rin, ça va, elle veut pas grand-chose. C'est raisonnable. Et donc oui, je trouve que Scar, franchement, Scar, il faut l'imaginer avec un autre background, tu vois, et un autre tempérament, bien sûr. Parce que bah là, en l'occurrence, on le voit bien dans le Roi Lion que c'est pas un bon roi, tu vois. Mais si, non, si, si, il a clairement l'étoffe d'un roi, je trouve. Enfin, il a le phrasé et tout, il est charismatique. Non, c'est Woody, je veux pas la maison. Voilà, Woody. Hey, salut, hey. Après, c'est une question de goût, de toute façon, c'est subjectif, hein. T'as décidé d'apprendre à coudre, mais c'est génial. J'en ai rien à foutre. Mais c'est trop bien, Woody. Waouh, bravo, Woody. Bravo pour cette auto-réalisation personnelle. Tout le chat est avec toi. Bravo, Woody. Tout le monde est très heureux. Bravo. Bravo. Qu'est-ce qu'on est fiers de toi. Vraiment. Mais craque, ça me craque. Tu sais, j'y ai réfléchi, je décide d'avoir... Oui, voilà. C'est une compétence utile. Ok, c'est tout. C'était très intéressant comme conversation. Hop. Vous avez déjà vu la savante écarlate? Oui. Oui, c'est très dur comme texte, comme... Pardon. Tu es capable d'expliquer pourquoi Gothel est méchante? Tu veux dire dans le dessin animé? Oh bah c'est quand même pas très compliqué à l'expliquer. En gros, Gothel, c'est une femme qui a kidnappé un bébé. Parce que ce bébé avait le pouvoir de la conserver jeune. Elle a utilisé ce pouvoir pour elle seule, qui plus est, sans vouloir... Elle aurait kidnappé le bébé pour vouloir sauver une planète entière. Ça aurait pas été bien, mais tu vois ce que je veux dire, il y aurait eu un autre objectif, tu vois. Là, c'est vraiment pour sa gueule à elle. En dehors de ce kidnapping de bébé, parce que c'est déjà une chose, hein, mais... à côté de ça, elle est du coup extrêmement égocentrique. Il y a qu'elle qui existe, qu'elle qui compte. Elle est extrêmement toxique pour réponse. Elle la traite mal. Elle ne la maltraite pas, mais elle la traite mal. C'est une connasse, quoi. Et après même, outre ça, bon, sans spoiler les réponses, mais elle poignarde pour tuer quelqu'un. Enfin, je veux dire, quand même, c'est... Je pense que les critères ne manquent pas, hein. Ouais, je pense pas craquer sa main pour celui-là. C'est trop bien, on a plein de wigs, j'adore. Elles sont trop belles, en plus. Merci, Nawelas, pour ton sub. Et merci, Titre Rêveuse, pour ton follow. Je ne crois pas que je t'avais dit merci. Ah, c'est vrai, Sarloma? C'est intéressant. Mais parce que c'est pas une méchante aussi claire que genre Maléfique, tu vois, ou Ursula. Où là, on va dire, il n'y a pas trop de place pour le doute. Pour Gothel, je pense qu'ils ont essayé de la rendre relativement proche, en fait, de certains comportements qu'on peut avoir au quotidien qui sont toxiques. Pas nous, forcément, mais qu'on peut vivre au quotidien. Typiquement, moi, je le dis à ma mère et ça l'énerve beaucoup. Je lui dis, Gothel, des fois, elle te ressemble un peu, hein. Alors, ma mère, c'est quelqu'un de bien, et elle m'aime, et elle a jamais fait du mal, tu vois, sciemment. C'est pas une manipulatrice comme ça. Mais tu vois, le comportement, genre, « Oh, t'as grossi, je t'aime de tout mon cœur !» Ça, c'est ma mère, hein, quand j'étais ado. Hein. C'était vraiment genre... C'était ma mère de ouf.
Alors ma mère, c'était pas, encore une fois, elle était pas méchante, hein. Mais Gretel, c'est sa poussée, tu vois. Et je pense que le dessin animé, il a une petite vocation aussi à permettre aux gens de réaliser que certains comportements qu'on peut avoir dans notre entourage, où on se dit, ouais, c'est de l'amour, bah en fait, peut-être pas, tu vois. Mais je comprends le doute. Je comprends. Après, on va dire que la fin du dessin animé, il n'y aurait que le début-milieu, le doute serait permis, tu vois. Mais il y a la fin. Avec la fin, il n'y a plus de doute possible, tu vois ce que je veux dire? Il y a, le dessin animé, il se prononce clairement sur, sur son but, quoi. Enfin, sur ce qu'il désigne. On va peut-être d'abord s'occuper de Gretel et de Scar. Parce que du coup, Scar, il veut des trucs. Alors, Gut-Gut. Sushi au thon et Scar, je l'ai passé. Est-ce qu'il veut de la bouffe? J'ai vu quelqu'un. 2500 pierres de lune, bravo Prétis, c'est beau, hein. Des harengs saumurés d'Arendelle. Toutes mes portes claquent de partout. Là, il y a trop de vent. Attends, je reviens. Normalement, on est bon. J'ai fermé une fenêtre. Normalement, on est bon. Hop. Oui, Yoru, c'est clair, hein. Dans ma tête, Gretel avait récupéré ce qui lui appartenait, mais en vrai, c'est égoïste. Mais c'était pas à elle. La fleur était pas à elle. Dans le conte de base, c'est dans le conte de réponse. Effectivement, c'est dans le jardin d'une sorcière. Une femme enceinte qui veut absolument manger des réponses, parce que les réponses sont des fleurs. Qui sont dans le jardin d'une sorcière, et le mari, comme il en a marre que sa femme lui casse les couilles, il va aller chercher et il vole la sorcière. Donc là, effectivement, il y a un vol. Et d'ailleurs, la meuf, au final, lui laisse son bébé en s'en battant un peu les couilles, hein. J'ai oublié le nom. Un sushi au thon, déjà. Je suis de retour pour jouer. Salut Mina, salut Gaïa. Coucou Sardine. Ah, cool, Nawelaz. Non, Samo, ça devrait aller, je te remercie. Mais c'est gentil d'inquiéter, hein, mais... Vous croyez que Gretel aimait vraiment réponse? Non, je pense pas. Je pense que Gretel, en fait, justement, ça se voit, en fait, dans sa manière, quand elle se comporte avec elle. Et au premier visionnage, tu le vois pas, forcément. Mais elle parle qu'à ses cheveux, elle caresse que ses cheveux. Elle a pas de geste de tendresse envers la fille qui est en dessous les cheveux, tu vois. C'est pas une femme aimante. Elle l'a pas maltraitée, elle aurait pu la maltraiter, hein. Elle l'a pas fait. Donc il y a quand même un minimum de non-monstruosité, tu vois, mais... Coucou Sophie! Réponse a eu de la chance d'être tombée sur Gretel et non Elodie Tremaine, elle aurait passé toute sa vie enfermée dans un cachot. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, c'est vrai, Pomme. Salut, salut Moxis, merci beaucoup pour le follow. Alors, qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Je pense que le reste doit l'avoir. Ah non, lui, il veut des poissons. Doré jaune. Et je les ai pas en stock, ceux-là. Au plateau. Allons voir. Je n'en reviens pas de m'être fait. Non, Sardine, là, on parle du vrai film. Là, on parle du vrai film. Repose-toi donc, Mina. Il faut que je me voie aussi. Alors, les pierres oranges, parce qu'il va m'en falloir 20. Je crois qu'il y en a dans la... là où je suis, là. Ouais, plateau et bayou. Et c'est tout. Il n'y a pas 50 options. On va d'abord faire un tour de pierre. La Révolution sur Netflix, c'est quoi? Ça me fait penser à un film, mais ça se trouve, c'est pas celui-là, donc... D'accord avec toi, mais d'un autre côté, quand Réponse lui demande sa peinture, Gretel accepte d'aller lui chercher, même si c'est assez loin. Mais est-ce que c'est pour garder la conférence de réponse? Ah bah oui. Mais alors, par contre, je sais pas, tu vois, c'est pareil. Est-ce qu'elle aura besoin que... Je sais pas si elle a pas besoin que ce soit la petite qui chante. Il me semble que si.
Parce que très vite, elle lui fait chanter, elle, la comptine. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'elle traite bien réponse. C'est qu'elle a besoin que ce soit la gamine qui chante. Et donc forcément, si tu la tortures ou que tu la mets en tôle, bah elle aura pas envie de chanter pour toi, quoi. Et puis ça lui fait un moyen de pression, surtout. Donc c'est beaucoup plus simple de garder la gamine dans tes petits papiers en mode t'es sa mère et tu l'aimes bien. Comme ça, elle chante, elle se pose pas de questions, plutôt que de la torturer. Ah non, ça me dit rien, Shiragan. Oula. C'est pas ça dont j'ai besoin, mais écoute, je prends quand même, hein. C'est toujours des trucs en plus. Mais c'était pas de ça dont j'avais besoin. Ce jeu n'a pas de fin, pas vraiment, Arotsuki, par exemple. D'ailleurs, et 100e épisode. Oui, mais de toute façon, il va... Les coffres, ils restent dans le coin, non, Samo? Ils s'accumulent, non? Ou pas? On va pêcher, tiens. Ouais, c'est le 100e épisode. Bah oui, mais très vite, on la voit en fait quand elle est petite fille. Quand Gothel la brosse, c'est elle qui chante. Donc je me dis peut-être que quand c'est Réponse qui chante, il y a plus de pouvoir que quand c'est quelqu'un d'autre. Sinon, il n'y a pas trop de logique. Peut-être Aksuja, peut-être. J'ai l'impression que ça... Enfin, quelque chose me dit que ça doit être plus efficace quand ça vient de Réponse, quand même. N'oublie pas, je suis la portée des vies. Genre quoi, Pretty? Ouais, bah j'ai eu le poisson de Scarounet. Peut-être qu'en coupant la mèche, elle a perdu sa voix pour chanter. Ah, peut-être. Parce que Réponse bébé, elle devait déjà causer un peu. Hein. Ah, Mina, t'as vu, c'était ouf ce moment. Hein. Coucou, Cam. Oula. Oh, ça me manquait pas, ça. Eh, vraiment, faire les missions, là, c'est chiant de ouf. J'en ai pas déjà fait des jeux... Ah, j'avais fait Wolf Among Us, Arotsuki, en jeu Telltale. Trop cool, d'ailleurs. Et j'aimerais bien, ouais, en faire d'autres. Ça va, et toi, Shino? Ah là là, ce soir, on fait la réu recrutement. Les gars, donnez-moi de la force, hein. Ah, j'avais fait Batman aussi, putain, bravo, vous avez meilleure mémoire que moi. J'avoue, je déteste quand les gars tapent tous dans le poing pour montrer leur virilité. Oh là là, les gros bruits, ça me stresse, la violence, t'en parlons pas. Mais en vrai, c'est tout à fait normal. C'est vachement agressif hein, comme mouvement. Quelqu'un qui tape dans un mur, c'est pas ça. Hein. Clairement, il y a un problème de gestion de colère. On se rappelle des petits culs. Oui, putain, oui. Les petits culs, c'était Sherlock. J'ai fait une sieste pour être en forme pour ce soir. Eh bah, t'es très malin. C'est très malin. Moi, je n'ai pas fait de sieste, j'ai pas eu le temps. Vous avez pas dit que ce serait ce week-end. Bah au final on fait là maintenant. Parce qu'en fait Kiki va partir en ficus mental. Enfin en gros Kiki part en gros voyage la semaine prochaine pour un mois. Donc elle aura toujours le rôle de modo mais elle sera pas là. Elle sera considérée comme une modo bonus pendant un mois et demi. Et du coup elle voulait, ce qu'on avait organisé de base pour le recrutement c'était qu'on le fasse là. Pour qu'elle ait le temps de connaître un petit peu les nouveaux. Avant de partir même si elle part pas vraiment mais vous avez compris. Et du coup, en fait, c'est un peu compliqué. C'est que si on fait le recrutement ce week-end, déjà, ça enlève 2 jours. Et puis, ça veut dire que les modos doivent vous récupérer. Enfin, on doit accueillir les gens la semaine. Enfin, en fait, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, quoi. Donc, au final... Et puis, alors, j'ai fait des sondages pour savoir qui était dispo quand. Et hier, je me suis arraché les cheveux. Hein. Vraiment, j'étais en mode, vas-y, qui est là quand? Personne n'est là au même moment, c'est un bonheur. Du coup j'ai fait, vous savez pas quoi, on va le faire vendredi soir.
Et du coup, ça veut dire ce week-end, on va devoir faire une réu en plus pour faire la réu habituelle, en fait. Ça, ça va être un peu relou, par contre. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'on va le caser. Après, ça va pas être trop long. Mais... c'est pas toujours elle, Samo, ça change. À chaque épisode, c'est quelqu'un de différent. Pour l'épisode 8, c'est Alice qui me guide. D'ailleurs, faudrait que tu me remettes la fin, Alice. Parce que du coup, tu m'as... Enfin, j'avais vu le guide jusqu'à au moment où je devais couper, mais... je sais plus où est notre message depuis. Samedi soir, je pense... Ouais, je pense aussi. Je pense aussi qu'on fera samedi soir la rue. Merci, Miss Sakura. Il va y avoir une annonce dans le Discord pour dévoiler les nouveaux modos. Alors, oui. Mais... pas alors, si ça se trouve... Si ça se... Alors... Je vais toucher du bois très fort, hein. Normalement, ce soir, on sait qui nous rejoint. Si on a bien réussi à boucler ce soir, il va falloir que j'envoie un DM aux personnes qui ont été sélectionnées. Mais si ça se trouve, on va pas se mettre d'accord ce soir pour tous, tu vois. Donc, il y aura un second round, ce que je n'espère pas. Mais c'est déjà arrivé. Donc, ça peut décaler, tu vois. Ouais, grave, Sophie. De ouf. La réunion va finir à 3h. En vrai, j'en ai quand même 20. Hein. J'en ai quand même 20. J'ai quand même fait une sélection de 20. C'est un peu énorme. Donc, ça risque de prendre un peu de temps, ouais. Merci, Islam. Petit coucou, rapidou. Je ne reste pas, mais je renouvelle mon abonnement. 17 mois, c'est pas rien quand même. Merci beaucoup, t'es adorable. Je ne serai pas relou, promis. Mais non, mais Wattel, t'es jamais relou. Faut juste pas bougonner. Wattel, elle est pas relou, elle est bougonou. Ça me fait penser, avec mon frère, on avait inventé une chanson. Il y avait une pub. Alors, je sais plus le vrai nom du truc, mais on était à la campagne, je m'en rappelle. Et il y avait la télé, parce que mon père, quand il y a mon père, il y a toujours la télé qui est allumée. C'est vraiment, c'est... En fond, tu vois, mais c'est voilà, c'est son truc. Et il y avait une pub de jambon. Et je sais plus le vrai nom du jambon, mais on l'avait renommé bougonou. Et du coup, on avait fait bougonou, le jambon qui est... Attends, qui est doux et qui est bien de chez nous. Bougonou! Voilà. Et du coup, c'était notre gros délire de faire bougonou! C'était cochonou, voilà. Le vrai... Mais en fait, on a juste changé le nom. Et normalement, c'est ça, c'est cochonou, le jambon qui est doux et qui est bien de chez nous. Cochonou! Et nous, on a mis bougonou. Voilà. Faut pas que je rigole. Et du coup, on a beaucoup, beaucoup rigolé. Mais beaucoup trop rigolé pour ce que c'est. Hein. Vraiment, hein, j'en ai conscience. Mais ça nous a vraiment fait rire. Faut changer la tenue d'Ariel. Ah bon? Ah bah oui, c'est plus l'hiver. T'as raison. Faudrait d'ailleurs... Je n'oublie pas l'overlay hein, de la chaîne. Hein. Je n'oublie pas. Belle aussi. Non, Belle, c'est bon. Elle est en vert. Donc tout va bien cette saison. Hop. Ariel repasse en robe bleue. Elsa, elle est déjà dans sa... Oui, non, mais on est bon, on est bon. Pour le reste, on est bon. Il va falloir que j'aille récupérer... Scar, il veut un piranha. Bon, je peux aller le choper. Oui, parce que ça, j'en ai pas en stock, je crois. Et Gut Gut. Sac à série. Oh, ça, j'ai déjà. Bon, attends, on va repasser à la maison, quand même. Non, déjà, on va vendre des trucs. Attends, je ne sais pas. D'abord ça. Ça m'étonne pas que t'en aies fait une chance. Je promets pas de pas bougonner, mais je vais essayer bien. Ça, c'est une belle journée pour jouer de... Allez, chanson pour Samo, là. La musique des tasses. Ah, on avait quand même changé les paroles, alors, Gaïa. Je crois que c'était Voix des étoiles, Axuja. Disney Dreamlight Valley, Moxis. Oh, l'overlay, on fera printemps, Yota. Alors, hop. Il me faut du riz pour Gut Gut. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Il est là. On va peut-être pas en prendre 48. Hein. Calmons-nous, calmons-nous. Hein. Alors, attends. Hop. Hop. Et hop. Je crois qu'il y avait ça. Non, un ça. Un ça, oui, je sais plus parler, mais c'est pas très grave. Hop.
j'ai oublié. C'est gentil, Moxis. Bah oui, ça, moi, ça doit être ça. J'ai hâte aussi pour l'overlay. Ah bah moi aussi. Ah, Sophie. Fous pas la merde. Après, en fait, ce que je disais ce matin... Non, c'était matin ou hier, je sais plus. En fait, en gros, quand il y a quelqu'un que j'aime bien qui bougonne un peu ou qui fait la tête, je passe d'abord par des phases arrangeantes. Tu vois, genre, j'ai le côté... oh, mais ça va aller. Tu préfères qu'on fasse comme ça? Tu préfères machin? J'ai cette étape avec mes potes ou avec tout le monde, tu vois, genre de... Ouais, voilà, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Est-ce que tu préférerais que ce soit comme ça? Tu vois, j'ai ça. J'ai ça. Mais il y a un moment où cette phase est... Tu sais, quand tu... Voilà, très conciliante, tu vois. Mais il y a un moment où quand on tire trop sur la corde de ma patience, tu vois tout ce que t'as gagné davantage quand je suis gentille, ça revient en arrière et tu perds 10 points. C'est genre, tu préfères qu'on fasse comme ça? Tu sais, genre, imaginons, j'ai faim mais je sais pas quoi manger, tu veux des pâtes? Tu veux que je te fasse ça? Tu veux que je... Plein de propositions. Non, 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 pff, non, non. Et au bout d'un moment, genre, eh ben, tu sais pas quoi? Mange ton poing et casse-toi. Voilà, tu vois? Il y a un moment... c'est la limite de la patience. J'ai juste d'autres petits trucs à dire. Une fois que je les aurai dit, ce sera ok, t'inquiète, mais c'est tout. Ah non, mais ouais, ça c'est très bien, ma what was. Il faut t'exprimer. Où je suis? Attends, où sont mes poissons? Ah bah ils sont là. Est-ce que j'ai un piranha? Mais j'ai un piranha, c'est incroyable. Heureusement que j'ai gardé tous les poissons de l'île, hein. Eh ben on est bien peu de choses, hein. Allez hop. Je tiens à dire que ce moment est relativement lointain selon les cas, car Thibaut est une grande âme. C'est vrai. C'est très vrai. En général, juste, tu sens au ton, Sean, eh hey, oh, sinon, bah on fait rien. Ok, on arrête. Et c'est très vite, hein. Ça vient très vite, hein. Si je fais, ouais, si j'arrive au stade de, bon bah sinon on laisse tomber. En général, en face, ça comprend qu'il y aura plus, de consilience. Vous prévoyez combien de temps de débat? Bah, on se retrouve à 21h. Et avec de la chance, on a fini pour minuit 1h. Avec de la chance, ça serait tellement bien qu'on finisse avant. L'année dernière, on a fini à quelle heure? 3h? Il y a une fois, on n'avait pas fini, on a coupé en deux. Minuit au moins, je pense. Ouais, quand même. Bah, il y a beaucoup de gens, quand même. Hein. Et encore, j'ai écrémé fort. Hein. Mais, ouais, qu'est-ce que tu veux? Faut le temps. Ah, Scar est juste derrière. Oh, regarde, il domine Simba. Oh, cette mise en abîme de leur situation est incroyable. Alors, Scar, un doré jaune. J'avais reçu ma demande d'amis vers 3h. Oui, bah voilà. C'était 2h du matin. Voilà. Minuit 1h et tu penses envoyer les réponses au jour dans la foulée, si j'ai bien compris. Ouais, en général, je fais... Alors, ça dépend. Honnêtement, comme je suis encore malade quand même... je sais pas dans quel état je vais être potentiellement à minuit 1h. Peut-être que ça va très bien aller, peut-être que pas du tout. Parce que ces derniers jours, je suis au lit à 20h30. Hein, donc je alors, en général, ce qui se passe en temps normal, j'envoie les DM aux gens le soir où on se décide. Mais encore une fois, des fois, on coupe la situation de... Genre, si on est... Imaginons, je sais pas, il est 1h du matin et on n'est pas d'accord. Et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et c'est déjà arrivé encore une fois et on ressasse les mêmes arguments. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est hey, vous savez pas quoi, on va se coucher. On en reparle tel jour. C'est possible. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, ou alors, moi, je vais être claqué et je vais dire, vas-y, je les DM demain matin. C'est aussi tout à fait possible. Et si ça se trouve, vous allez vous mettre d'accord en 1h, 1h30. C'est tout à fait possible aussi. Alors, ça me semble court parce qu'il y a quand même 20 personnes. Mais c'est possible. Si, en fait, tous les arguments réunissent tout le monde... C'est une possibilité. Après, 1h, 1h30, il y a 20... Il y a combien? Il y a 19... J'ai gardé 19 candidatures, là, à débattre. 19 divisé par 5, fois 5, c'est combien? Ouais, je suis malade depuis le début de semaine, Gaïa. Oh, bonjour, très cher. Hop là. 15 apprentis, ce serait drôle, mais un peu compliqué. Ce serait trop.
J'ai dit hier, c'est maximum 10, je pense. Mais on aura moins, on aura moins. Mais j'ai 10 modos actuellement, donc... Le tri, je l'ai fini il y a 2 jours, je crois. Mercredi. Non, mais on n'en aura pas 10. Mais disons que c'est le maximum possible. Kiki pourra pas être ma reine, donc 9 max. Après, en vrai, faut pas que ce soit que ça qui nous retienne. Ah, faut que je serve au resto. Bah, ça tombe très bien, j'y suis. Gaufre à la confiture, crème pâtissière et fruits. En soi, s'il faut qu'il y ait deux apprentis pour un parrain marraine, on verra. C'est pas. Faut pas qu'on se limite à cause de ça. Disons que juste 10, ça semblait déjà beaucoup, quoi. Gaufre, j'ai oublié. C'était gaufre à la confiture? Ça fait beaucoup de gens chez toi pour faire des fêtes, c'est vrai. Ah, merci. Merci, Nanaël. Parce que Kiki est pas là, Sarloma. Elle part pour... la semaine prochaine, elle part pour un mois et demi. Elle sera quand même là, donc les apprentis pourront échanger avec elle et tout, mais elle sera pas en ficus, mais elle sera pas dispo, quoi. Donc elle pourra pas être marraine. Crème pâtissière et fruits. Attends, ça on va récupérer parce que ça va peut-être me libérer un truc. Crème pâtissière et fruits, plat de légumes grillés. Je vais essayer d'en retenir au moins 2. Elle est chanceuse. Bah, elle se donne les moyens de faire ce qu'elle veut, surtout. Hein. Si tu veux partir en voyage, prépare un voyage. Tu vois ce que je veux dire? Hop. Elle est dessus depuis des mois. Hein. Hop. Et j'ai encore oublié l'autre. C'est quoi? C'était légumes... Entrée. Légumes grillés. Oh, mais grave, ça, moi, j'avais même pas tiqué. J'avoue, t'as gueulé les réponses qui... Oh. Pourquoi tu manges avec ta belle-mère, ta fausse... Je sais pas ce que... C'est même pas ta belle-mère. Au revoir. Plat de légumes grillés. Plat de légumes grillés. Ouais, réponse au sortir des relations toxiques, là. Je suis bien d'accord. Est-ce que c'est là? Non, c'est dans l'autre. Bien sûr, mais tout seul dans quel pays? Quand? Faut prendre congé en plus. Ah bah c'est pour ça, c'est beaucoup de travail. Faut s'organiser. C'est sûr, c'est sûr. Ah grave, Victoria. Putain, j'aimerais trop qu'il y ait Flynn en plus. Vas-y, Samo, qu'est-ce que t'as fait? Dis-nous tout. Ah bah tiens, pomme aussi. En parlant de relations toxiques, j'ai décidé d'arrêter de m'accrocher à une pote qui me gosse. Très bien. Salut. Allez, donnez-moi tous une bonne résolution par rapport à quelqu'un de toxique, là. Je sens que ça va faire du bien. Ça va nous préparer... En parlant de relations toxiques, j'ai... Ouais. Un truc positif, hein. C'est fini. Ah ouais, ah ouais, genre, c'est le moment de me dire j'ai... J'ai réalisé que mon ex était un connard. Tu vois? Lâchez-vous. Mais positif, hein. Ça contrebalancera Samo qui va nous sortir une dinguerie encore. Je connais pas de personne toxique. C'est une très bonne phrase positive, ça. Thé aux perles. J'ai plus de lait? Si, ça va. Putain, qu'est-ce que ça part? En parlant de relations toxiques, j'ai un chat. J'ai pas de relations toxiques actuellement. C'est très bien. En parlant de relations toxiques, ça va bien pour moi, j'en ai plus dans ma vie. Pas de relations toxiques à ma connaissance. Oh là là, c'est beau! Ah, Nanaël! Ah, j'ai pas le bruitage, j'ai pas mis mes bruitages. Frappez Nanaël, s'il vous plaît. En parlant de relations toxiques. Au revoir. Au revoir, Nala. Attention, tu vas finir flasque. Jamais, jamais, je n'oublierai. J'ai pas de relations toxiques qui ont évolué. Ah!
pas une très bonne nouvelle, ça. Elle m'a envoyé un message hier en me disant tu m'as manqué, tu sais. Et bien sûr, moi j'ai tout de suite pensé à Thibaut et décidé de dormir, bien sûr. Et après, elle est rentrée à 4h du mat et elle m'a envoyé. Genre, t'as dormi, t'as pas répondu? Elle t'a envoyé, tu m'as manqué, tu sais, t'as pas répondu. Tu vois ma tête sceptique là? Tablette d'objectif. As-tu parlé pour les streams, Shiragan? J'ai pas encore trouvé le temps de m'occuper de ça. Mais je n'oublie pas. En parlant de relations toxiques, je nourris et loge gratos un petit être qui me gueule dessus si je lui donne sa gamelle en retard. J'ai cru que tu parlais d'un bébé au début. Et t'as parlé de gamelle. Et je me suis dit, ah, peut-être pas. Hop. Pêche quelque chose de gonflé. Une capote, pardon. J'aime orange, ça serait bien que j'en fasse encore. Hein. Non, je vais faire la partie machin comme Simba. Je crois qu'il est pas niveau trop élevé. Ouais, mais la famille, c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est sûr. Samo, il est en train de nous faire un pavé, là. J'ai peur. Ah, niveau 2. Je sais pas s'il faut juste que je joue ou s'il faut que je gagne. J'ai oublié. Oh, Elise. En pote, je pense pas avoir de relation toxique. Si tu penses pas, c'est bon signe. Elle a quoi de spécial, Eve? On va clairement prendre Eve. Elle est ouf, Eve. Parfois, tu vois des fulgurances qui sont vraiment, mais vraiment inattendues. Si on parle de la famille, la toxicité est présente, mais j'ignore. Ouais, la famille, c'est plus touchy. Hein. C'est sûr que la famille... bon, bah... Faut faire avec, hein. Non, les animaux, non, c'est pas toxique. Ils ont pas conscience de leur toxicité, donc c'est pas possible. Ah oui, elle peut aller partout, cocotte. Ah ouais, elle a vraiment la map entière, rien que pour elle. Mina, c'est un raccourci intéressant. Oh, j'ai dit moi aussi un peu, mais bon, ça compte pas. Et après, elle ah, donc t'as répondu ça, moi, je savais. Et après, elle m'a dit qu'un mec l'a suivi en voiture et c'est le frère d'un youtubeur connu chez nous qui est marié et qui l'a arrêté dans la route pour lui parler. Quel est l'intérêt de... Oui, d'accord. Et what's the point? Non, je me suis trompée. C'est parce que j'étais trop à fond dans l'histoire de Samo. Peu importe. En vrai, elle peut aller partout, Eve, donc... Quelque chose de gonflé, c'est le fougou, le poisson qu'on pêche que quand il pleut. Oh, me dis pas ça. Oh, Jean-Luc. Alors. Attends, Y. Je pense pas qu'il puisse avoir les deux. Mais après, j'ai Eve qui aura l'autre. Oui, non, c'est bon. Je peux garder ma sélection habituelle. Hop. Eve, elle prend celui-là. Et Pix-Pix. Et bah, Pix-Pix, il va là. Est-ce qu'elle va me le prendre? Hey, il prend tout, là. C'est abusé. Oh, me dis pas ça, Sophie, ça n'est pas motivé. Ok, on va rester comme ça. Très bien. Pix Pix. Parfait. Poupette. Zoup. Et Olaf. Ouais, allons là, hein. Écoute.
J'ai gagné! Il lui a dit, t'as quel âge? Tu fais quoi? Tu conduis magnifiquement bien? C'est ce qu'elle m'a raconté. Elle lui a dit, j'ai 19 ans, il doit respecter sa femme et tout. Bref, c'est pas... Je sais pas non plus pourquoi elle m'a raconté ça pour frimer, mais en tout cas, j'ai plus rien dit. Après, le tu m'as un peu manqué aussi, t'inquiète. Tu lui as répondu, tu m'as... Attends. Elle t'a répondu, tu m'as un peu... Tu m'as manqué? Attends, Samo, dis-moi exactement ce qu'elle a dit dans tu m'as manqué et ce que t'as répondu. Envoie-moi un screen. Insta. Que je vois ce que t'as écrit là. T'as pas répondu, tu m'as manqué un peu aussi, t'inquiète, dis-moi que t'as pas répondu ça. C'est la pire chose. Bonjour Thibaut, bonjour le chat, c'est la première fois que je parle en stream, je suis de la team silencieuse, mais j'avais envie de dire que je te suis depuis tes toutes premières vidéos, c'est vraiment sucré, il y avait encore un tout petit mouchou. T'es une femme formidable qui te donne de très bons conseils et je te souhaite que du bonheur. Oh Misty, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Oh, trop cool Gaïa, effectivement. Samo vient de se condamner. Ah non, mais là... Très bien. Très bien. 30 champignons, mais c'est une blague. Attends, parce qu'on a ça d'abord aussi. Bon, Simba, du coup, tu peux vaquer. Hop. Ravie d'avoir fait ta connaissance, Samo. Oh là 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 là, il aide pas Samo quand même hein. C'est compliqué hein. J'espère qu'il a pas répondu ça, c'est la pire réponse vraiment. Ça fait vraiment, c'est vraiment la réponse genre je veux faire le mec dégagé mais je le suis pas du tout. C'est vraiment, c'est écrit quoi. Même quelqu'un qui analyse rien, même Titi. Mais désolé Titi, c'est ma ref là dessus, même Titi comprendrait. Même Titi, si on lui répond, ouais, tu m'as un peu manqué aussi, t'inquiète. Même Titi, il capte, il y a un truc. C'est... Je souhaite à tous d'être entourés de personnes merveilleuses, personne mérite tant que société. Oh, bah Yoline, t'es trop chaud. Même Titi, référence absolue. Je vous dis, Titi, c'est ma rêve de je capte rien ce qui se passe. C'est ma rêve ultime. Donc si Titi, il capte... Yeah, c'est que si vous êtes en c'est mort, tu vois. La subtilité n'existe pas. Parce que je les ai oubliés, Sarloma. Tout simplement. Il n'y a pas plus simple comme raison. On va nourrir une bestiole, ça serait pas trop chiant à faire. Titi, à chaque fois, il est pas là, il prend des petites piques. Ah non, mais c'est pas une pique. C'est pas une pique de dire qu'il capte rien aux signaux. Et je le dis quand il est là aussi, hein. C'est la vérité, c'est tout. Dans un sens, c'est bien. C'est qu'il est pas blasé de la vie, hein. Il a une certaine candeur. Et puis ça séduit, hein, vu le nombre de personnes qui veulent le pécho. Ça... Le côté un peu naïf, hein, ça plaît. Faut dire, après tous les mecs chelous qu'il y a, c'est rafraîchissant, hein. C'est mignon, tu vois. C'est pas une pique, c'est un constat, c'est ça. Oui, alors, paradoxe, oui, alors ça... Bah, cela dit, en fait, des gens qui sont comme ça, paradoxe, en vrai, quasi tout mon entourage est pareil. Mais... Genre, Bébou, par exemple, t'as un mec qui va le mater ou une meuf qui va le mater, il va rien capter. Mais il comprend le reste, tu vois. Titi, c'est de manière générale. Les signaux, c'est pas clair, tu vois. N'oublie pas. Là pour t'aider. Titi, c'est un danger malgré lui. Exactement. Prendre une photo. Oui, c'est très bien. Tiens, Mirabelle, vu que t'aimes bien faire ton intéressante. Regarde. Écoute, n'en fais pas trop. On est là pour t'aider. Mais oui. J'ai vachement de taches de rousseur sur mon perso. Et elles sont noires, mes taches de rousseur. On dirait qu'elle a du charbon sur la gueule. Hop. Hop, je sais pas si je peux modifier ça ici. Hop. Je te regarde ce que j'ai répondu, mais ce qu'elle a dit c'est en arabe français, donc tu commanderas pas. Ah, ah bah oui, bah c'est sûr si tu me, tu m'as mis la trad. Ça va. Et elle, elle a mis quoi avant?
Là, les trois que t'as envoyés, c'est ceux qui se suivent? Ça, c'est un peu mignon. Faut voir le message d'avant. Non, c'est pas ça. C'est le teint, je crois. Ah, c'est là. Ah oui, mais c'est ça, c'est tout noir, en fait. Ouais, tâche de rousseur en noir, c'est concept, hein. On va se calmer. Marron, c'est peut-être un peu fort aussi. On va mettre deux teintes, genre... comme ça. Et comme ça. C'est déjà plus... Oui. J'adore les streams Disney. Bon, vous êtes trop chou. Je suis pas inspirée pour le nouveau Dream Snap. Ah! Je m'inquiète. Bon, écoute. N'en fais pas trop. Non, je t'écoute pas, Mirabelle. Tu me gonfles. Voilà. Faut le dire les choses à un moment. T'es trop envahissante. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Mais tu me pompes l'air. Voilà. Alors. Attends, il m'en manque encore 5. 30 champignons. Bah, oh, tu sais quoi, on va d'abord cueillir les champignons. Vu qu'il en faut 30. On va d'abord faire les champis, hein. Sinon, on va avoir pour 10 000 ans. Ah, mais Mirabelle, faut qu'elle respire, hein. J'espère que la fortune va te sourire. On va pas élever les cochons ensemble. Oh, vous êtes mignons. Alors, on va en profiter parce qu'il faut aussi que je fasse les mines. Non, les miens ne se suivent pas. Le tube m'a manqué, j'ai dit avant de dormir, j'avoue. Et avant, elle m'a envoyé un vocal où il rigolait quand je lui ai dit qu'elle vivait bien le fait que ce soit dans ma blacklist des personnes qui me saoulent des fois. Mais tu veux toujours la pécho ou pas? Parce que... J'ai l'impression que c'est un peu ton crampon, hein. C'est un peu en mode... t'as pas de crush, donc tu gardes elle. Mais par défaut, tu sais... Ça va et toi, Cyril Titi? Mirabelle et Woody, les mal-aimés de la vallée. Ah, il y a Nala aussi. Mais après, Nala, elle a cherché aussi. Nala, elle a cherché. C'est moi, je me sens petite. Ah non, mais ça va. Ouais, c'est parce que je suis tassée et que mon truc a bougé. Ma caméra, elle est un peu plus haute que d'hab. Parce que mon aspi, j'ai passé l'aspi, donc... voilà, dur détail technique. Sur TikTok, j'ai vu quelqu'un mettre 19 olives avec le mammouth soyeux. Là, ça m'a fait penser à toi. Tous les goûts sont dans la nature, écoute, hein. C'est la personne avec les mammouths qui ondulent. Libre à elle. Moi j'avoue, j'ai rien contre, mais pas dans l'océan. C'est pas... Et en Scar, en crèche, il y a Scar, mais je suis tout pas à dire. Exactement. Nala, elle a ouvert les hostilités en premier, exactement. Putain, j'ai oublié les champignons et tout ça. J'étais partie sur les... Bah attends, je refais un tour. Je referai un tour, mais il faut que je prenne les... Je faisais les minerais d'abord. Merci Misty Faye pour ton sub, c'est adorable. Merci beaucoup. Les mammouths qui ont dû, oui, c'était dans un livre très mal traduit. C'est exactement ça, dommage, j'étais trop fort, je trouve une personne intéressante en classe. Sinon, tu te dis que tu n'as pas de crush et tu laisses cette pauvre fille tranquille. C'est une idée, hein, je... Sarloma, merci beaucoup. 5 subs pour Enora, Dark Doltar, Yann Gaming, le petit koala et We Snow. C'est trop gentil, merci beaucoup. C'est très généreux de ta part. Je crierais bien, mais étant encore malade, tu dois te contenter de mes remerciements sincères et enroués. C'est un peu la piquette de santé. Mais je vais mieux quand même, il faut retenir ça. Merci Kasudeti pour ton sub. C'est adorable aussi. Oui Mina, c'est trop chou, je suis bien d'accord. Ok, on a pris les cailloux. Est-ce qu'il reste des champignons? Oh, je dirais que oui. C'est long à repoper en plus les champignons, non? Je crois me souvenir que c'est grave long. Alors, faut 30 quoi. À l'aide. Oui, mais c'est ma crèche depuis le lycée de Sibou, genre au début-début. Non, début-début, ça serait la crèche. Ou maternelle. Lycée, c'est pas début-début, c'était hier pour toi. Eh, puis faut remettre les choses en perspective, hein, c'était ta crush, c'est bon, ça l'est plus, tourne la page, move on. Parce que là... à un moment, faut dire les bails, hein.
Bon, pas plus de champignons. Je suis assise sur 30, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y en a un autre endroit des champignons par hasard? Par hasard. Non, il n'y en a que dans le bayou. Nique-toi! Hey, Ilera, merci beaucoup pour ton resub. Les champignons, c'est un peu comme l'ail. Pire que l'ail. Ah bah super, merveilleux. Je croyais que Samo disait que Thibaut était sa crush. Non, bah non. Je suis sa grande sœur à Samo. Clairement. Oh, Baksudati, je suis contente que tu sois là. Après, j'avoue que j'ai pas trop la tête pour elle ces derniers temps. Quelque chose d'autre m'obsède. Oui, le manège. Alors, pour vous dire la place de cette meuf, qui est donc le crush ultime de Samo, hein. La place de cette meuf dans la vie de Samo, c'est qu'il est plus obnubilé par le manège des attractions de Dreamlight Valley qu'il n'a pas que par la meuf. Donc ça va. On est d'accord que c'est pas... On n'est pas sur un amour passionnel. On n'est pas sur... Demain n'est pas le mariage, tu vois. Gaïa, merci beaucoup. Je reste mesurée dans mes réactions. Merci Gaïa pour tes 5 subs offerts. Pour Sarah, Mouni Sonata, Emily, Zalia et Dangan. Merci énormément. T'es trop chaud. Merci Zaza pour tes bites. Oh là là là, vous avez fait venir le train. Incroyable. On est loin du grand amour. Ah bah oui, là... C'est-à-dire, c'est un peu comme si je te disais... Non, mais oui, je l'aime bien, c'est mon pote. Mais je préfère mon couvercle en plastique de Tupperware que j'ai acheté la semaine dernière. C'est mon pote, mais de loin, quoi. Misty, mais ouais, mais qu'est-ce qui vous arrive? Merci beaucoup. Misty qui offre des subs également pour Reading Books, Nintem, Eleven Patronum, Dakens 12 et Mary Dream. Merci, vous êtes trop chou. T'étouffes pas quand même. Ouais, on va essayer. Rizou. Mais what? Merci Rizou qui offre aussi 5 subs pour Laura, Lisagne, Litchi, la Biblicam et la Silencieuse. Ah bah alors là, vous allez tous être subs sur le serveur. Hein. N'oubliez pas de synchroniser vos comptes Twitch et Discord. Vous aurez le rôle sub sur le serveur aussi. Ah, c'est trop gentil. Merci beaucoup. C'est adorable. Tant de subs offerts. Trop chouki, quoi. Je suis toute émulsionnée. Comme un liquide. On va avoir plein de nouveaux gens chez les riches. Exactement. Il y a la partie bourgeoise sur le serveur. Bon, bourgeoise à 5 balles, hein, donc calmons-nous quand même. C'est des petits bourgeois, hein. Je récupère les champignons, quitte à faire. Les riches et les gens aimés des riches. Tu acceptes qu'on mette un don de 1 million d'euros et tu tousses pendant une minute? Bah oui. Ah bah franchement, pour 1 million d'euros, je crois que c'est 1 million d'ailleurs, j'arrive pas à compter les zéros. 1 million d'euros, il y a beaucoup de choses que je fais quand même. Hein. Franchement, bon, hors URSSAF et TVA, mais ça fait quand même beaucoup, hein. Franchement, tousser une minute, moi j'ai plus de bronches quoi, mais je m'en remets, hein. Je tousse avec toi. Ouais, on est d'accord. En même temps, c'est vrai que c'est la 100e vidéo de Disney. Vous faites un bel hommage avec vos subs offerts, vos subs gifts. Est-ce que je fais... On va faire ça. Hop. J'ai de la place ou pas? Oui, encore un peu. Mais oui, Asteria, je serai encore là. Sauf si tu prends une douche d'une heure et demie. Dans ce cas-là, prends plutôt un bain, sinon c'est pas très écologique. Hein. Mais sinon, je serai là. Je savais même pas qu'on pouvait lier son Discord et son Twitch. Et si, si, si. Salut Carp. Comment tu vas Carpounette? T'as mangé des mouches? Parce que les carpes, ça mange des mouches. Je suppose. C'est des poissons, les poissons ça mange des mouches. Oh, je suis coincée dans les machins. À dire des conneries là. Bien, je gagne des boules, hein. On aime bien avoir des boules ici. Mais... Tu vas faire un petit truc. Entre carpe et sardine, t'as une commu très variée. J'ai pas encore de mouche. Ça va aller, je me douche en 10 minutes, 15 minutes max. Oh bah oui, bah je serai encore là. Oui, sans problème. Sans problème, sans problème. On va vendre un petit peu nos trucs. Bah non, les poissons, ça mange pas de mouches. Bah si, ça saute comme ça, puis ça mange les mouches.
peux devenir une mouche si tu veux. Après le poulpe dans ton village, tu aurais une bonne récompense pour fêter les 100. Non! Je vais pas m'acheter ce truc là. De toute façon, je l'ai pas. Attends. Je l'ai pas vu. Non, ça je l'ai gardé. Tant pis, je crois que j'en ai trop en stock. Hein. Hop, ça j'en ai trop. Oh là là, j'en ai plus. Hop là. Ouh. Ah si, il est là le poulpe, ouais. Oui, non, mais il me bombe pas plus que ça. J'avoue. Sarloma, merci beaucoup. Merci beaucoup pour Nijina, Cacahuète, Chat, Harry et Itomi. Mais c'est trop mignon. Oh là là, tant de subs. Et on est au niveau 6 du train. C'est incroyable. Et oui, si, les poissons mangent, ça mange des insectes, quoi. Les mouches, les moucherons, les moustiques, trucs comme ça, quoi. Si, si, si. C'est le printemps qui fait ça. C'est le printemps qui vous fait offrir des subs. Oh bah vive le printemps. C'est une belle saison. Je plus sois. Tout le monde sub dans le chat. Ah voilà, il n'y aura plus des lupubes là. Non, normalement il y a un peu plus de marge. Merci Rizou. Rizou qui offre un sub à Azuramoon. Faut que je vende des fruits. Où sont mes framboises? Ah. Voilà. Alors on est au compte-gouttes, hein. 4 machins sur le plateau. Bah très bien, il fallait que j'y retourne. L'anime pour les subs offertes est tout choupi. Mais oui, je l'aime trop. Une magnifique véranda, là. Ah, Mina, c'est trop cool. Hein. On est bien d'accord. Tu n'étais peut-être pas faite. Mais Siska, t'inquiète. Tu restes mon love interest. Tant que Navin n'est pas là, tu as des chances. Il reste combien de temps pour l'événement? Oh, on a le temps encore. 25 jours. Enfin, on a le temps, oui, mais... ça passe vite, quand même. Thibaut, quand tu reviens sur l'esplanade, tu peux passer devant le truc de Dumbo, s'il te plaît, je veux savoir quel son ça fait. Est-ce que j'ai vraiment envie de te créer une nouvelle addiction, Samo? Je ne sais pas. Mais je ferai ça. Fais-moi penser. Cet endroit a quelque chose de spécial. On va finir le petit tour. Vu qu'il me faut mes fameuses gemmes oranges là. Après en vrai elles retombent souvent quand même. Donc c'est pas le pire. C'est long quand même hein. Mais on est pas, on tourne pas à 2 sur 20 tu vois. En stock. Je sais pas s'il en reste une autre ici. J'oublie toujours. Non. Non mais il y en a plus je crois. Ariane a toujours sa tenue. Ah bon? Pourtant, j'ai dû changer. Ah, j'avais pas fait sélectionner, c'est pour ça. Non, il n'y a plus de stream ciné d'être poète. Parce que Stitch retire la fonctionnalité. On a même eu la cinématique, c'est beau. Et comme Twitch retire la fonctionnalité. Après, je dis pas qu'on trouvera pas une autre alternative. Mais oui, t'es belle, ma chérie. Comment ça, prendre le contrôle de la vallée? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Et de toute façon, on va devoir changer de tenue pour l'event. Tu vois, on est à 7 sur 20. Bon, c'est pas l'extase. Mais c'est pas une catastrophe non plus, quoi. Bon, voyons voir l'event, enfin le Dream Snap, 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 Snap. Déjà votons pour la parc d'attractions. Oui. Oh bah là, tu t'es donné un peu plus de mal pour les réunir. Oh, c'est sympa le petit train.
Celle-là. Celle-là. La folle, elle veut le pouvoir. Ouais, grave, non, elle. Oh, elle est belle, elle. Elle a fait plus festive. En vrai, je me dis, ma photo, elle est pas mal, hein. Peut-être que je gagnerai des points. Et là, du coup, donc ça, c'est en cours. Défi actuel. L'été au frais. Défi vestimentaire, fuit la froideur de l'hiver avec une tenue estivale stylée. Combine des vêtements d'été et d'hiver pour créer ton look unique. Pas convaincu. Eh, hey, on est niveau 7 du train, hein. Vous avez géré de ouf. Il y a une quête snap avec l'event. Je crois que je l'ai déjà faite la dernière fois. On va repasser à la baraque. Se changer. Ah tiens, attends, on va récupérer ça. Un porte-manteau, une cuisinière et un truc. Ouais. Pas convaincu, hein. Il faut faire une photo. Ah oui, oui, bah oui. Mettre une tenue estivale dans la neige. Pourquoi pas? Ça a son charme. Hop. Et le reste, c'est de l'autre côté. Ouais. Et ouais, c'est très cul du coup que Twitch enlève la fonctionnalité Stream Ciné. Mais je me dis, on trouvera moyen de faire autre chose. Alors pas forcément, pas, ça sera, film, ça va être complexe. Mais ou alors chacun de son côté, tu vois, comme on faisait à la fin, comme on avait fait à la fin pour quand ça buguait sur Twitch, pour regarder la fin des streams ou quoi. Mais bon, je sais pas. Vas-y, ça bouge, je regarde. Ouah, mais comment elle a fait un truc pareil? Ouais, bah j'aurais clairement pas la patience, hein. Il y a une meuf, elle a fait un truc de ouf. Ouais, non, non. Pas le courage. Les champignons, je suis fou. Les origans. Ah, il en manque un. Un origan. Hop là. Ouais, je suis d'accord avec ce sujet, c'est dommage. Ou faire des lectures communes. Ouais, mais ça, alors ça, on n'a pas besoin de le faire en stream, forcément. Alors, été-hiver. Ah! Alors, c'est très joli. Mais là, il y a une belle ambivalence. Mais je gagnerai clairement pas assez de points, je pense. J'aime bien le côté qui fait toc hivernal, tu vois, où... Et la robe été. Tu vois, j'ai un truc comme ça. C'est pas bête, Samo. Truc d'hiver là. Tout celle-là. Ah, les gants, faudrait que j'arrive à choper. Oh, les gants, c'est joli aussi. Ah, c'est pas mal, hein. Finalement, c'est venu tout de suite. Après, je pense que je vais avoir un problème de nombre d'items qui vont pas coller. On va mettre les lunettes. Ça change pas grand-chose, mais ça compte. Ouais, un petit gant de soirée, c'est pas mal. Faut qu'on voit.
Ah, les gardes, elles sont trop belles, hein. J'aime trop. Après, je sers un peu à rien que je passe 8 heures à faire un truc de Dream Snap de ouf non plus. Vu que le thème m'inspire pas plus que ça. Ou le manteau hiver blanc et en dessous tu mets un short et un top hiver. Oui, c'est faisable aussi, ouais. Ouah, wow, y'a trop de bordel. Faut que je mette de l'ordre dans les hauteurs. Hop. Putain, c'est un peu long ce truc, la réunion tout à l'heure. Oui, c'est clair. Ouais, non, faut pas déconner. Hein. Salut Iris! Ça fait plaisir de te voir aussi. T'as passé une bonne journée? Prends Elsa avec toi. Oui. Est-ce qu'elle est dans le coin, Poupette? Ah bah elle est dans sa grotte. Allons voir Elsa. J'ai tellement beau. Oui, il est sympa. Bon, il y a une ambiance Samu qui est passée à tout pompe avec la sirène à fond. Pourquoi t'as crié? Pourquoi beau Alice? Je ne reviens pas de m'être fait autant. Tu connais pas Iris? C'est le centième, c'est la centième vidéo que je fais dessus. Enfin, c'est le centième stream là sur Disney. Ah, Bou peut-être. Ah, peut-être. C'est vrai qu'Alice avec son T9, des fois il. Ah, Elsa. Oui, vas-y. Mais non, te barre pas, reste là. Bonjour, mon ami. Sauvage, allez, viens avec moi. Tu fais un effort social, s'il te plaît. Faut tout s'en faire, Elsa, faut tout s'en faire. Je vais rattraper tout mon retard. Oh, alors, il y a 100 streams de genre 3 heures de vidéo. Hein. Mais si, Mina, elle a pris sa douche, ma fille. C'est une fille propre. Alors, on va virer ça. Ça va me gâcher la photo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait en plus. C'est toujours pas quoi ça sert hein, ces machins là. Hein. À part me prendre la place dans mes coffres là, les objets. Alors, lecture commune, on en fait parfois, ouais. Bah, entre autres sur le Discord. En vrai, j'aime bien comme ça. Où est-ce qu'on pourra faire la photo? Je me dis, ici, ça peut être sympa. On va enlever ça. Viens, Elsa. Oh, fais pas ta timide, chérie. Hein, t'as une nouvelle petite robe qui m'a coûté 2500 pierres de lune. Donc, tu vas être mignonne. Hein? Et tu vas... Alors attends, on va mettre une nouvelle mascotte. Un petit renard. Ça me semble... On va prendre le renard arc-en-ciel. Non. Hop. Y. Tu sens à sa photo qu'elle est pas à l'aise, tu sais. Oh oui, non, oh, ça sert à rien. Remarque, là, la mienne n'est pas à l'aise non plus. En vrai, le cadre est grave beau, je trouve. Hein. Attends, j'aimerais bien qu'on voit plus mon renard. Hop. Là, on le voit un peu. Ah, oh, attends, il y a Ariel qui vient aussi. Ah, Vanessa. Incroyable! Oh, et en plus ça passe! Super!
Super. Je vais voir pour en refaire une. Ça dépend si elle est encore dans le coin ou quoi. Mais au moins, je sécurise. Hop. Ouais, on a bien fait de ouf. On a bien fait de ouf. Parce que là, elle s'est rebarrée. Donc, c'est parfait. Oh, le renard, il approche Elsa. C'est trop chou. Eh, franchement... Je trouve la photo géniale. Qu'est-ce que vous en dites? Elle est incroyable! Le regard entre les deux est fou, hein! C'est vrai, Miss Sakura. Je sais pourquoi j'ai mal à la tête, j'ai pas bu de la journée. Oh, Vic, je vais te frapper! Tu vas gagner, c'est sûr. Franchement, elle gère, hein. Ah, je trouve la photo bien cool. En plus, avec le fond derrière et tout, les arbres, machin. Il y a les cerisiers avec la neige. Ah non, j'aime bien. J'aime bien, je suis contente. Ok, alors, event, on en est où? Ah oui, les gemmes. Et, ah oui, je vais quand même tester de pêcher... truc orange... Bon, Elsa, du coup, je te rends ta liberté. Je ne t'impose plus ma présence. Va, ma fille. J'ai bien vu que ça la faisait chier d'être là. Ne poussons pas la chose. Ah, Yota, je comprends. Allez, Vic, tu bois une gorgée de flotte par Jean dans le chat. C'est exact. Et d'abord, une nouvelle romance entre Elsa et Vanessa. Hein. On est d'accord, hein. Ouais, Vic, tu m'as bien lu. T'as rien bu de la journée. Bah vas-y, bois maintenant. Tu vas pisser comme une vache, mais au moins tu seras hydraté. Tu vas être en code orange. C'est sûr, là tu fais pipi, t'es orange. Yuta. Ah, les chats, c'est drama queen. Hein. 131 gorgée. Allez, Vic, allez. Une gorgée pour Patou, une gorgée pour Pomme. Attendez, je vais compter les pseudos depuis le 131 gorgées. Je profite de ce stream des 100 vidéos de Drifted Dreamlight pour remercier Thibaut de m'avoir fait découvrir ce jeu génial. Au début, en achetant, j'ai vraiment pensé que ce serait un truc qui passerait avec ma phase, mais pas du tout le jour d'aujourd'hui. Du coup, merci Thibaut, monsieur, je regrette d'avoir loupé les manèges. Je pense qu'on aura tous compris, Samo, que tu regrettes d'avoir loupé les manèges. Je pense que nous sommes d'accord. Nous sommes unanimes pour te plaindre et être avec toi. Ah, un champignon! C'est très rare d'avoir cette réaction quand on voit un champignon d'ailleurs. Hein. En général, c'est pas oh, un champignon. Sauf si c'est dans la forêt. Mais dans un autre contexte, ça fait pas rêver. Hein. Mais rien, on va abandonner le navire. Ça va, elles sont en train de gorger, ça va vite. Hein. Tu peux faire des pauses. Je te dis pas de boire cul sec. Mais un petit... T'as regardé déjà 4. Ça va tout seul. Hop. Hop. Je dirais un hibou. Ah parce que ça, c'était pas ironique. Ah bah non. Non, moi là-bas j'ai dit par personne dans le chat. Tout le monde n'est pas actif. Les 130 qui sont présents n'écrivent pas dans le chat. J'ai dit une gorgée par personne dans le chat. J'ai pas dit par personne qui regarde le stream. C'est pas la même. Sinon effectivement 130 c'est beaucoup quand même en vrai. On veut pas qu'elle nous fasse une drocution non plus. Hein. Je compte pour 130. Ah il faut boire. Bah vas-y Wattel. Ah à la base c'était pour Vic. Parce que Vic n'a rien bu de la journée, donc elle est en dèche sévère. Mais tu peux boire aussi. Allez, tout le monde écrit, même pour la peine, bonjour ici. N'oublie pas, je suis là pour t'aider. Allez Vic, églou. Je me sens visée, j'écris pas car je continue mon pause. Et bah Kaki, tu vois, elle va boire pour toi.
Les gens natifs silencieux écrivent maintenant. Bah oui, ils pensent à ta bonne santé, hein. Allez, faut boire, hein. Merci pour le follow, Hilo. C'est très gentil, ça. Ne rien boire le jour mondial de l'eau. Oh, c'est le jour mondial de l'eau. Vic, t'es doublement excusable. Moins excusable, je veux dire. J'ai mangé mon moins. Premier degré, j'ai oublié. Ah, mais cette meuf. Ce que je disais, en fait, Vic, c'est une des meufs les plus têtes en l'air que j'ai jamais vues. Et... les plus chelous aussi, on va pas se mentir. Mais des fois, elle a des pics de génie, tu vois. Et je sais pas comment ces deux personnes, elles peuvent coexister dans le même corps. Mais c'est possible. Allez, dis-moi que c'est bon, là. Ouais, ça, c'est bon. Oui. Prépare le gâteau d'anniversaire d'une princesse assoupie. Oh, putain. Sérieusement. Attends, je vais finir les gemmes, déjà. Enfin, on va essayer d'avancer, plutôt. Je confirme, elle veut pas lâcher l'affaire du débat Asbin Hotel. Quel débat? Je la connais pas casse-couille, moi, Vic, en vrai. Enfin, je suis pas sûre que tu veux savoir. Ah, oui, ça spoil. J'imagine. Mais ça m'intéresse. C'est moi en meuf. Maintenant que tu le dis... Non. Non. Non, mais y a un truc. Mais non. Non, toi, t'es plus barge, Samo. Puis, t'es, j'ose le dire, un poil plus con. Con dans le sens couillon, pas con bête. Hein, parce que Samo est très intelligent, pour le coup, premier degré. Hein. Mais, non. Mais elle est plus con dans le sens... oh bah j'ai pas bu de la journée alors que j'avais soif, tu vois. C'est pas la même case. C'est pas... il y a le niveau, mais c'est pas la même bifurcation. C'est pas... et à côté de ça, Vic est pareil, est très intelligente. Attention, je dis con dans le sens affectif du terme, dans le certaine catégorie du truc, tu vois. C'est... Mais il y a un truc. Oui, non, pas bête, pas con dans le sens bête. Hein. Je le redis 500 fois, mais... dans le sens un peu couillon, tu vois. Qu'est-ce qu'elle a regardé le sol? On dirait qu'elle a enterré quelqu'un. Elle récupère son courrier. Bah écoute, elle a raison. Hein. Surtout, elle a enterré quelqu'un et elle est contente. Hein. C'est pas... mais voilà, donc oui, non, mais je... Il y avait matière à réflexion. Il y avait matière à réflexion... Effectivement. Non, mais il y avait un truc. J'ai tant de merde. Vous avez un petit arc-en-ciel qui vous lie, quoi. C'est vous qui dites que quelqu'un est con, c'est limite un compliment. Non, mais c'est vrai que c'est, par contre, c'est affectueux. C'est vrai que con dans ma bouche, c'est très rare. Alors, ça dépend. En fait, tout est dans l'intonation. Mais je vais très souvent dire genre, oh, t'es con. Mais dans ma tête, c'est dans ma bouche, c'est vraiment tendre, tu vois. Par contre, si je fais, ah, mais quel con celui-là. Bon, là, il n'y a pas de tendresse. Il y a juste du seum. Mais ça peut être un mot mignon, tu vois. Par contre, ça marche pas pour toutes les insultes. Genre, je vais pas dire « Oh, la petite salope !» Non, ça marche pas. C'est... y a pas. Tu vois. C'est vraiment que pour con. Ce serait bizarre. C'est un peu bête, un peu pareil. Je le rendais bête, hein. Mais con, c'est bête. Tu vois, c'est le même registre, hein. C'est... j'ai failli cracher. Oh, t'as réussi colossal, Sophie, trop cool. Tu sais que Titi, il s'est acheté tous les tomes, Sophie. En fait, en gros, Titi, il s'est acheté le tome 1 de colossal à la Paris Manga. Et il s'est acheté tous les autres tomes depuis quand il est rentré chez lui. Vraie question, qui est plus fort, Vanessa ou Elsa?
Bah, Vanessa, c'est Ursula, du coup, on est d'accord. Donc, Ursula ou Elsa. Bah, Elsa, elle gèle l'eau. Du coup, Ursula, même si elle est balèze, elle finit comme Morgana dans La Petite Sirène 2, quoi. Je vais éviter de rappeler que ce matin, j'ai mal lu le message de Thibaut et qu'elle a cru que je l'ai prise pour une débile. Je m'en rappelle, Samo. Tu sais que t'avais pas besoin de faire le crétin pour me le rappeler, je m'en souviens. Parce qu'en fait, en gros... Non, mais c'est parce que... Faut quand même expliquer. C'est-à-dire que Samo m'envoie des messages très souvent sur Instagram auxquels je réponds très souvent également. Et je me réveille ce matin, je vois il y a 4 messages de Samo sur des trucs différents, tu vois. Donc ce que je fais, comme une humaine un peu intelligente... Je sélectionne longtemps le message, je clique sur répondre et il y a les réponses qui s'affichent en dessous. Donc chaque message est dédié à un au-dessus, tu vois. Genre, premier message, j'aime les fraises, je vais répondre, moi je préfère les framboises. Second message, oh ce midi, il y a du clafoutis. Ah, moi ce midi, je mange de la tarte aux fraises, vous voyez le concept, quoi. Puis lui, il arrive, il fait, ah, Thibaut, mais t'as pas compris ce que je t'ai dit, je t'ai dit ça, tu suis pas, hein. Et je lui dis, mais gars... Regarde, j'ai répondu au message du dessus. Voilà. Et donc il m'a fait, oh bah tu vas encore dire en stream que je t'ai pris pour une abrutie. Voilà. Et il s'est affiché tout seul encore une fois. Mais il aime bien ça, moi il aime bien. C'est son petit. C'est ses petits. C'est ses petits plaisirs. Hein, J'ai pas suivi, il se passe quoi avec Titi? Bon, il se passe rien avec Titi. Pourquoi? Et j'ai dit avec Titi. Qu'est-ce que t'as loupé? T'as dit quoi, Vic? Vas-y, attends. Si elle a dit un truc, ne me parlez plus de ce traître de Titi. Mais pourquoi tu... Titi, vraiment, nos limites. J'ai... Ah, vas-y, c'est pas tout qui dit, c'est pas moi. Vas-y, pas tout dit. Tu peux pas dire les bails à moitié? Faites un peu les gossips, là. Allez, Patou. Elle a expliqué. Ah, j'ai répondu. J'ai pas vu. Ah, vous me faites faire pause pour lire les gossips. J'arrive pas à cliquer. Je précise pour les modos, pour Titi, c'est de l'humour. Il m'a trahi 2 fois d'affilée dans Loup-Garou hier. Ah, c'est tout. Eh, vous avez pas des gossips, hein. Entre Samo qui envoie un message à la meuf qui courtise depuis 6 ans, qui ne le lit même pas. Et puis, Lut qui a le seum parce qu'il l'a mordu au Loup-Garou. Ah, et oh, qu'il n'y a plus de jeunesse, hein. Bah oui, moi je m'attendais à quelque chose de... Je sais pas, une embrouille, une dinguerie, tu vois, c'est... Oui, qui courtise, c'est pour dire élégamment qu'il a envie de... Voilà, hein, mais c'est... Et encore, moi je suis persuadée que même pas. La meuf de Samo, je suis un peu persuadée, c'est... Tu vois l'image de... Tu vois l'amour courtois dans la chevalerie? Sauf qu'il n'est pas courtois du tout, bah c'est ça. C'est genre un peu genre, pour avoir une meuf en ligne de mire, il met elle... Mais il préfère s'éclater avec ses potes chevaliers, tu vois. D'ailleurs, c'est sûr que les chevaliers, ils baisaient tous entre eux, hein. Aparté, hein. Évident, évident. Bah, au bout d'un moment, quand tu veux pas baiser ta meuf, tu baisses tes potes, hein. C'est une belle phrase que je viens de dire. C'est très profond. Quand tu peux pas baiser la meuf, tu baisses tes potes. Ta meuf. Ah, une phrase à noter. Excuse-moi, Thibaut, je vais m'embrouiller avec elle ce soir. Mais non! Pourquoi? Mais laisse-la tranquille! Ah, belle phrase, je sais pas, mais très drôle, n'est-ce pas, hein? Il est 18h, c'est une blague, il est 18h. C'est pour ça que je fais pas Disney le vendredi. Ah, y a pas le temps, là. Ah, mon dieu. Oh d'ailleurs, j'ai vu Volo te donner une coucou hier, j'ai pas pleuré, par contre je pensais... Ah, c'est un point. C'est j'ai pas pleuré, par contre je pensais que... D'aller pleurer, d'accord. T'as pas pleuré?
T'as compris? Oui, alors, ça peut sembler bizarre comme question, mais parce que Vic... Encore une fois, j'adapte mes questions à un bon public, hein. C'est-à-dire que Vic, elle a des vitesses. Tu vois, comme un diesel, bah c'est pareil. C'est la même chose, voilà. C'est chacun son rythme, tu vois. Je crois que j'étais trop main. Ouais, je vois l'idée. Vic était trauma, je suis témoin. Ouais, mais en vrai, je comprends. Des fois, quand t'as des films qui sont trop traumatisants, t'es au-delà des larmes. Je comprends. Tout ça parce que j'ai ouvert ma bouche une fois en confondant deux raids. Oh, y'a pas que ça. Chérie, y'a pas que ça. Vraiment, le nombre de fois en réu où tu bites rien. Y'a ta sister qui est dans le coin qui est pareil, hein. Enfin, sister, grande sister. J'en ai deux dans l'équipe. J'en ai deux, hein. Qui sont capables. On parle d'un truc pendant 5 minutes. 5 minutes, hein. C'est long, 5 minutes. Et qui font, oh, en fait, pourquoi on parle pas de ça? Alors que c'est le truc dont on venait de parler. Deux. Avant, il y en avait plus. Mais il y en a qui sont partis. Mais ah, non, c'est leur talent. Alors, elles en ont d'autres. Elles en ont d'autres. Elles sont d'extraordinaires modos à côté de ça. Mais c'est... Ouf. Alors ça, quand je suis bien lunée, quand c'est le début de la réu, ou que je suis de bonne humeur, ça me fait rire. Il y a des fois... Ah, j'avoue que quand on tire vers la fin, que j'en ai plein les pattes, et que ça fait une demi-heure qu'on essaie de se débattre avec un sujet, et que t'as une des deux sur... Alors j'avoue que... Non, j'allais dire Vic le fait plus. Non, en vrai, ça se voit, mais... Quand t'as une des deux qui sort, au fait, t'es ça... T'sais, je suis vraiment... Oh. Des fois, je parle pas. Des fois, je me tais. Parce que si je parle... Oh, ça me rend chèvre. Ah, hein. Oh, c'est... Ah mon dieu, genre vers minuit. Oh, des fois, oh, y a pas besoin, ça peut être beaucoup plus tôt. C'est pas une question d'heure. Alors, l'heure peut jouer. On va dire que quand il est tard, on est un petit peu tous dans cet état-là, tu vois. Mais non, ça peut être là. Ça peut être là. Il y a des surprises. Il y a des surprises dans la vie comme ça. C'est des grands moments. Parce qu'en fait, des fois, j'ouvre ma bouche et je me rends compte que j'aurais pas dû. Ça t'arrive souvent quand même, chérie. Hein. Vraiment. Mais c'est drôle. Enfin, sur le moment, j'avoue, des fois, je rigole pas. Mais il y a toujours une notion de rire derrière. Tu vois, il y a toujours... Je sais que ça va me faire rire quand je vais y repenser dans une heure. Ou le lendemain. Mais sur le coup, des fois, c'est... Compliqué. C'est attachant. Ouais. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui essaie d'apprendre la musique. C'est attachant au début, puis après, c'est chiant, tu vois. Coucou Tibou, ça fait des années que je t'avais pas revu et récemment je me suis remise à regarder certaines de tes vidéos que j'avais regardées à l'époque, j'avais déjà 6-7 ans. Ça fait déjà quelque chose, quand je t'ai connue pour la première fois j'avais 12 ans, maintenant j'en ai 18, je suis aussi rencontrée à la Japan Expo 2018 je crois. Je me souviens pas de la date, ça fait quelque chose. Ça va et toi Gabi, ça fait plaisir de te voir. Attachant, exactement. Non mais pour le coup, non mais Alice tu sais que je t'aime. En plus, alors Alice est la deuxième en question. En fait, dans un sens c'est rassurant tu vois. Dans le cas d'Alice, en tout cas, ça montre qu'elle n'est pas parfaite. Ça permet de la mettre au rang humain, tu vois. Vic, ça va, il y a un peu de marge. Je t'aime, ne me déteste pas. Mais oui, c'est drôle, en vrai. Comment dire ça? Le savoir-vivre ensemble, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut faire avec les caractères de chacun et les particularités de chacun également. Et honnêtement, si tout le monde pouvait avoir que ça comme défaut, la vie serait douce. Alice est humaine, toute l'image qu'on avait s'effondre. Mais oui! Tu as vu! Oh, Alice, je te verrais trop en déesse grecque. Ou égyptienne. Oh, Isis! Tu serais une trop belle Isis. Ah mais je suis encore sur YouTube, Gabi. Je sors 2 vidéos par semaine sur la chaîne principale et 1 vidéo sur une chaîne de livres. Ouais, Alice DS, ça passe bien. En fait, quand Thibaut dit qu'on est... Con, je suppose, comprenez-le comme ça disait Thiboudounette et ça passe, celle qui a pris le plus cher. Oh, Thiboudounette, il n'y avait pas la tendresse. Oh, pas toujours, hein. Ça, moi, j'ai plus de tendresse quand je dis que t'es con que quand je le disais à Thiboudounette, hein.
Si ça peut vous rassurer, cela dit, tant mieux. Hein. Mais bon. C'est gentil, après c'est peut-être beaucoup. Non, ça tirait bien DS. T'as bien la classe, tu sais, pour être DS. Moi, non, je pense pas. Ou alors une DS casse-couille. Moi, je serais une DS qui parle trop, tu sais. Alice, elle a grave. Alice, c'est la classe incarnée, tu vois. Vraiment, elle a une attitude. Et le style. D'ailleurs, Tom, il a dit, elle était belle. Ah, t'as l'en vérité. Bref. Du coup, tu sais, Alice, c'est vraiment la classe, tu vois. Alice, voilà, la prestance. Moi, j'ai le charisme, mais j'ai pas la... Je pense pas que j'ai l'attitude, tu vois. Je fais plus du peuple, moi. Je fais plus une déesse qui casse la gueule, tu vois. Alice, c'est la queen des déesses. Ou alors Hera. Mais Hera, elle se fait tromper de partout, donc c'est pas ouf. Après, Isis, elle est pas hyper heureuse non plus. Si on va par là. Hera est trop sérieuse. Bah, ça dépend, les réécritures, les machins, peut-être, tu vois. T'as grave l'attitude. Ouais, en vrai, j'ai le caractère casse-couille des rats, moi. Mais bon, je me fais pas cocuffer de la terre entière non plus, donc l'identification va s'arrêter à ça. Tu vois, moi, si je suis déesse, je suis une déesse avec une grande gueule. Je suis clairement pas une déesse douce et stylée, tu vois, genre posée sur mon trône comme ça et tout. Donc moi, je me lève, je fais, t'as fait quoi? C'est vrai. Artemis. Oh mais Artemis elle baisse pas. Ça me ferait chier. Une nuit sans sexe. T'es une Amazon, Thibou. Ça me va. Ça me va. Mais elle baisse pas non plus. C'est vrai, mais elle défend ouf les femmes. Ouais, non, mais Hera c'est la déesse du mariage. Hein. En vrai, avec tous les conseils que je vous donne et que vous suivez pas, ça me place bien. Hein. En plus, Hera, ça la rend ouf parce que personne l'écoute. Il y a pas mal de similitudes, en fait. Hein. C'est Hera, elle va faire, hey, tu devrais peut-être pas faire ça. Si, 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 bah vas-y, c'est pas grave. On l'écoute jamais. Mais on t'écoute, Thibaut. Ouais, ouais, on m'écoute vachement, ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'on m'écoute Et Lara, c'est la déesse du mariage, mais elle est mariée à un homme toxique. Ouais. Je suis une Hera divorcée. Maintenant, je vous l'équipe pour ce crack. En fait, le truc, c'est que les dieux grecs, ils ont vraiment des vies hyper marquées et des tempéraments très marqués aussi. Je pourrais pas donner une personne un dieu, il faudrait forcément faire des libertés, tu vois. C'est plus l'attitude que j'imagine. J'arriverai pas, je pense, à trouver une... Enfin, j'arriverai à trouver, mais ça serait pas... Ça pourrait pas être parfait. Quoique j'ai peur, je vais finir avec l'animal con. Oh, Vic, ne me tente pas! Oh, tu serais peine et panique à toi toute seule. C'est dans Hercule, le dessin animé, là. En fait, elle est les deux, du coup, elle panique doublement. C'est plutôt choisir de quoi il serait dieu ou déesse. Ah ouais. Ça pourrait aussi. Je viens à votre lugubre noirceur. Ou est-elle une déesse calme. Une déesse sage. Tu vois genre un peu look Vera dans Scooby-Doo. Genre ce look là en déesse. Avec des petites lunettes, posée, calme, comme ça, avec un regard vénère. Une déesse des sciences, tu sais, ou un truc, ou de la justice, un truc carré, tu sais. Et genre, si on te casse les couilles, tu démontes l'autre en face. Peut-être une des déesses du clan d'Artémis, c'est genre le clan virginité, là. Oh, pas qu'elle baisse pas, hein. Mais en fait, techniquement, les déesses de la virginité, elles baisaient d'ailleurs, juste elles se mariaient pas. Par désir d'indépendance. Pas la même chose. Ouais, genre Déméter. Ouais, mais... Ouais, genre Déméter, pour Wattel. C'est pas con. Une Déméter des sciences. Non, elle ressemble pas à Vera physiquement, mais mentalement, je trouve. Une Déméter des sciences. Ça marche bien. J'avoue. Bisous, Paradox. Je suis à la recherche de mes pierres oranges, hein, j'abandonne pas. Hein. Step by step... Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ah, c'est pas faux, Xuja, t'as raison. Youpi. Oui, Dingo, c'est bien.
Dingo, il a un peu un air avique, hein. Je suis bien content, voilà. Bah, moi, je reste ici toute la nuit, alors si vous voulez revenir avec des amis, ou même vos ennemis, ça remplira la salle. Et ça, c'est moi quand je raconte un truc. Vous pouvez rajouter un petit billet pour moi, ça m'arrange. Voilà. Et oh, tais-toi. Tais-toi. Comment on pèse le fougou? Truc gonflé, là. Attends. Poisson. Ils sont là. Hop, plage. Hop là. Didi, ça serait clairement genre Eros. Ou Apollon, mais pas en connard, pas pour leur Olympus, tu vois. Mais un dieu qui est beau gosse. Y'a pas un dieu genre la. Genre du look ou. Ah, Samo, bah j'imagine, oui. Apollon, Eros ou Apollon? Eros, pas mal, je voyais plus Apollon. Ouais. Apollon, je suis d'accord. C'est juste qu'Apollon, moi j'ai la vision de leur Olympus, alors forcément j'ai pas envie que ce soit lui, mais. Et ah, c'est Hadès, je le redis. Ah, dans leur Olympus alors? Non, je trouve pas. Il a le côté. On va dire que quand je l'ai connu, oui. Plus maintenant, je trouve. Ah, je le verrais bien, dieu de la musique. Genre un truc un peu rock. Parce qu'il adore la musique, il est hip, il s'y connaît de ouf. Il aime plein de styles différents. Il a à cœur d'écouter les trucs de tout le monde. Et il est toujours curieux de découvrir de nouvelles choses là-dessus. Et niveau style et tout, ça colle bien ce côté ouverture, etc. Tu vois. Et du coup, parce qu'il est aussi, il peut aussi bien écouter de la K-pop que des trucs hyper tristes et mélo et tout. Donc ça lui irait grave bien. Inventons un dieu de la musique. Apollon, c'est dieu de la musique. Ouais, mais pas. Enfin, on a dit qu'on faisait des thématiques. Il faut recréer. Oui, Vic. Je sais pas ce que tu branles d'ailleurs, mais pas ce qu'il faut, manifestement. Tu vas t'y mettre quand tout le monde aura fini sa phase dessus. C'est vrai, néné. Dieu du rock, yeah. Ta thématique, oh, moi ça serait les relations. Tu vois, c'est Vic. C'est clairement Vic. C'est un truc de ouf. Ah, hop, une crevette, super. La meuf qui... Attends, toi, Thibaut, c'est quoi donc... Non, Aphrodite, non. Ah, peut-être Priprion, bref. Pff. Non, ça serait plus relation en général. Ah oui, bah, en cherchant... Bah, je pense que vraiment, en cherchant une thématique mythologie grecque, ça serait Héra. Mais... Pour... s'il fallait donner un nom sans identifier à... À la mythologie, je dirais relation de manière générale. Je cerne bien les gens et j'aime bien les aider à se comprendre, etc. Utilise une potion. Ah, putain, mais j'ai peur que le temps que j'aille chercher la potion, il pleuve plus. Et 4, déesse de la sorcellerie. Ouais, mais pareil, et 4, elle fait partie de la tribu qui baisse pas. Après, Hera, elle baisse que Zeus, donc en soi, ça m'arrange pas non plus, hein. Non, je vais créer ma propre déesse. Je serai moi-même. Non, peine et panique, Vic, c'est parfait. Vraiment, c'est... Peine et panique réunies. Hécate est... Je crois qu'Hécate a fait partie de la tribu des meufs, des déesses vierges. Avec Artemis.
Speed, Cibou, speed. Ouais, ouais, bah j'essaye. Ah, j'espère que ça va aller, Maeva. Cibou veut copuler. Non, mais j'avoue que je cours pas spécialement après des relations intimes avec des humains. Mais je veux pouvoir en avoir si je le décide, tu vois. Et genre, si je suis une déesse qui me dit « Ouais, non, tu baisses pas », ça va me faire chier. Ça va me... Tu vois ? Je veux pouvoir avoir la liberté. Ah waouh, oui, voilà, il y a des tasards. Hein, là, c'est... Oh, tu sais ce qui serait génial. Y a pas de rond. Y a pas de rond. Tu vas voir qu'il va plus pleuvoir. Faut pas qu'il s'arrête de pleuvoir. Pourquoi y a plus de rond ? Voilà. Il y en a qui baissent pas. Oui, oui, alors, encore une fois, normalement, quand on dit déesse vierge, c'est... elles sont pas vraiment vierges. C'est plutôt qu'en fait, elles se mariaient pas, donc c'est pas reconnu. Mais dans la culture populaire, elles sont vraiment vierges. C'est comme ça que ça a été entendu, tu vois. Et moi, du coup, j'ai pas envie. Parce que si on pense que je veux être restée vierge, et ben, je vais pas facilement trouver des gens avec qui baiser. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'un mec qui veut copuler, il va aller voir une bonne sœur en disant « Oh, peut-être qu'elle le pense pas vraiment », tu vois ce que je veux dire ? Ça restreint. Ça restreint le champ des possibles. Ouais, non, moi je verrais bien une déesse libre de faire ce qu'elle veut. Tu vois, il y en a qui tenteraient. Ouais, mais que des mecs toxiques. Un mec qui tenterait de coucher avec moi, du coup, ce serait pour genre le challenge de l'interdit. Merci, quoi. J'en ai rien à foutre, moi, de me taper des mecs torturés qui ont besoin de régler des complexes d'Oedipe. Qui ont eu trop d'autorité dans leur jeunesse et qui essaient de se rebeller maintenant. C'est pas mon problème, tu vois. Moi, je préfère avoir des mecs qui savent ce qu'ils veulent, certes, mais qui sont contents d'avoir des meufs qui savent ce qu'elles veulent aussi. Plutôt que d'essayer de corrompre des meufs qui ont rien demandé. Voilà. Donc, du coup, non, ça ne m'attire pas, vraiment. J'ai pas dit qu'il serait sain. Oui, bah justement! Justement, en tant que déesse des relations, je ne copulerai pas avec des mecs malsains. Voilà, ils se soigneront tout seuls. Que des relations avec des humains qui savent ce qu'ils veulent, épanouis. Voilà, c'est... Ça serait mon mantra de déesse. Oh, quelle horreur, cet air beau fou. Mirabelle, je t'aime bien. T'es un poil collante. Quand même. Si je peux me permettre. Ils auront leurs mains. Oui, puis le numéro d'un psy aussi. Tout se soigne, hein. Tout s'aide. Parce que soigner, ça sous-entend qu'il y a une maladie pour le coup. Enfin, ça sous-entend un peu quand même, donc. Mais tout se discute. Tout s'améliore. Si Eka t'a fait des trucs, la preuve, elle a des enfants, notamment une certaine Circé. Oui, mais est-ce qu'elle est censée les faire? Ou est-ce que c'est pas après qu'elle vrille? Je sais plus. Elle est rond là, parce que j'ai peur que si je pêche en dehors des ronds, ça marche pas, non? Beau projet de vie de déesse. Ravi que tu approuves, Sophie. Ouais, non. Il m'en faut combien? Je suis à 2, putain, il m'en faut 3 autres. En fait, Mirabelle et toi, c'est comme moi avec ma crush. Ouais, bah tu vois qu'elle prend des casse-couilles. Tu mesures ou pas, là? C'est bien, c'est parfait, Samo. Très belle allégorie. Regarde, regarde comme t'es chiant. Non, il n'y en a pas ailleurs. Il n'y a que sur la plage. C'est le drame. Salut, Dingo. Mais oui, Stitch, c'est aussi dans son genre, hein. c'est... Oui, là, tu vois, Vic, ça t'a pas, tu vois. Ça t'a pas. Enfin, pas à ma connaissance, peut-être que tu caches ton jeu encore, hein, mais... Bon, ça, c'est très samoyant, ça. Mirabelle, je vais te... Putain, lâche-moi!
Je ne t'aime pas. Plus tu t'attaches, plus tu me détaches. Casse-toi. Oh, c'est pas possible de forcer à ce point. Ah, ça me gonfle. Sophie, j'ai failli le faire en plus. Si vous, tu dis que Vic c'est dingo, mais te rappelles-tu toutes les histoires que tu as attribuées à Dingo? Non, alors, c'est dingo dans le personnage de base, pas dans le personnage de mon village. Je précise. De toute façon, Vic n'a pas un grand pénis, donc ça ne marche pas. C'est... Dixit, la déesse des relations. Et justement, la déesse des relations, elle s'encombre pas de relations toxiques. Hein. Bon, les ronds, là... ma patience s'envole. Ma patience s'envole. Oh, n'aie pas peur. Ah bah regarde, eh, t'as eu la réponse. Pomme, elle vient de dire, mais n'aie pas peur. Voilà, c'est le destin. En plus, il va plus pleuvoir, je vais perdre ma canne. Pitié que ma crush pense pas comme tu vois avec Mirabelle quand même. Eh bah, ça dépend de toi. Hein. Ça dépend si t'es relou. Hein. Après, t'es gentil, ça, moi, en général. Mais des fois, t'es même pas gentil. Des fois, t'es désagréable. Hein. Pas avec moi. Hein. Avec moi, il est toujours chou. Hein. Mais des fois, il montre les messages avec sa meuf, là. Je suis en mode, gars, ça aurait été moi, je t'aurais têche. Hein. Mais bon, apparemment, elle aime bien. Faut dire, à cet âge, on a plus de patience. Hein. On s'est raconté des anecdotes avec Bébou hier, quand on s'est vus au parc. On s'est raconté des anecdotes de nos années lycée et tout. Et je me dis, eh, en vrai... Il y a des conseils que je vous donne, j'aurais dû me les appliquer à l'époque. Hein. Tu vas manger quoi? Je ne sais pas encore. Je mange toute seule ce soir parce que Kim, il a un truc avec son truc de boxe. Je sais pas encore ce que je mange. Carf, elle chante. Mais ouais. Mais c'est vrai qu'ado, j'étais con aussi. Hein. Je pense que c'est une question d'âge. Faut laisser le temps, tu vois. Faut laisser le temps au temps, voilà. Tu vas faire marcher dessus quelques années. Après, t'apprends, tu vois. Quelques années. Peut-être un peu moins, c'est de la chance, mais... Bonne idée, Pomme. Écoute, Ursula. Pas la meilleure idée du monde en général, mais bon, on va dire que là, elle donne un bon conseil. J'ai jamais vu une mer aussi peu peuplée de poissons, hein. En parlant de dieu et de déesse, quel dieu serait Kim, Thibou? Oh, Dionysos. Il picole. Et il rigole. Voilà. C'est parfait. Ou Arès. Parce qu'il a bien... Il a un peu l'idéal de guerre, quand même, tu vois. Mais c'est quand même vachement plus Dionysos, hein. Clairement... Ouais, je l'ai tourné, Jade. Dingo pêche dans le sable. Eh oui, oui, hein, il ne veut pas trop lui demander. Hein. Ce futur... Ce futur si rapide et si simple. Ouais, bah ouais. Hein. Mon beau-frère, ce serait Arès, sans hésitation. Ma belle-sœur Aphrodite. Y a pas trop de doute. Ah oui, cet endroit a un vrai potentiel. Ah, ou quoi que, elle, en vrai, elle aurait plusieurs... c'est vraiment une femme forte. Elle pourrait être beaucoup de déesses. Aphrodite, c'est la première qui m'est venue, donc je vais la garder, mais... Mon beau-frère, c'est évident aussi. Ah, mais c'est pas vrai! J'ai pas les poissons ronds! C'est stylé d'Aphrodite. Ah bah oui. Elle est très stylée, ma belle-sœur. Elle est belle. Tiens, il y a Mirabelle qui te fait coucou. Ah, c'est dingue, hein. Ils ont des petits. Non, mais... C'est normal que j'ai que les poissons long nez, là. Bah oui, ça pue. Oui, ça mouille la pluie, Stitch. Effectivement. C'est une vérité.
Ouais, salut. Mirabelle, arrête, tu me représentes trop. Lâche tu. Si jamais quelqu'un a peur, tu peux lui dire que les monstres ne sont pas tous effrayants. D'accord. Si jamais quelqu'un a peur, je lui dirai ça. Même si je suis pas très sûre de ta phrase. Parce que quelqu'un a peur, mais pas forcément d'un monstre, mais... Soit. D'après mon copain, je serai Aphrodite parce que pour lui, c'est la seule à peu près sympa et lui, elle reste un gros Brutus. Oui. Aphrodite, elle est pas si sympa en vrai. En fait, le truc, c'est que ça dépend des réécritures. Moi, je l'aime bien aussi, mais il y a des réécritures où elle est vraiment pas cool et des réécritures où elle est vraiment sympa. Mais j'ai l'impression qu'elle est pas mal démystifiée maintenant. Enfin, déconstruite en mode, c'est un peu une connasse. Alors que moi, de base, je l'aime bien. Bon, c'est pas que j'ai des heures de ma vie qui sont en train de se perdre en longeant cette plage. Mais c'est un peu ce qui se passe, hein. On va récupérer ça, ton cahier, hein. J'ai demandé à mon copain aussi, il m'a dit Cerbère. Ah. Ah oui. Eh, avec trois têtes, on peut en faire des choses, hein. Toujours relativiser. Toujours. Bah ouais, ouais. Moi j'ai essayé de rester subtil. Et tout de suite là, avec leurs grosses paluches. Et avec trois langues, hein, évidemment, Priya, évidemment. Qui est surpris? Personne. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'achète aujourd'hui la tenue pour Bob et Sully. Je verrai combien. Non, mais j'arrive pas à les avoir, les ronds en fait. J'ai que les gros nez. Regarde, je suis à 6 sans déconner. C'est énorme. Surprenant, Vanon Priya. Ah bah. De toute façon, Pripri, t'as ton étiquette, hein. Enfin, à part 2m10 au parapluie de Cherbourg. Mais t'as l'étiquette de grosse perverse, hein. C'est. Chacun sa croix. Ah, un poisson boule. Voilà, bah tu vois, Priya. T'es là, on parle de toi. J'ai un poisson boule. Même le jeu valide. J'ai mis 13. Ah oui, bon. 13, ça va. Ouais, la basse sardine. T'as pas postulé Pripri, toi d'ailleurs, en candidature? Je me sens jugé fort. Alors, si moi je te juge sur les blagues de cul, ça serait le pape qui juge un catholique. Bah, non. Sur ces longues heures perdues à la plage, je vous laisse. Bisous, ma Alice. Et oui, what? 18h29. J'avais dit à Bébou, ça serait bien que je m'arrête à 18h, mais je sais que j'y arriverai pas, donc je vais essayer de m'arrêter à 18h30. Voilà. Voilà, voilà, on en est. Non, je sais que c'est pas fait pour moi tout ce qui est gestion et tout. Ah ouais, c'est marrant. Moi, je t'aurais bien vu dans l'équipe, tu vois. Après, je te connais pas plus que ça, hein, mais... Et j'ai dit que t'avais pas postulé, j'étais en mode, eh, c'est vrai qu'elle postule pas. Oh, putain. Comme l'a dit Gusto. Ah bah c'est pas gentil, c'est vrai. Je sais plus quel âge t'as, Pripri. Enfin, je sais plus. Je sais pas si je suis censée le savoir. Première fois que j'entends cette expression. Ouais, je l'ai inventée à l'instant. Ah, nique-toi, long nez. Nique-toi, mets-toi ton nez dans ton anus. Pardon, je craque un peu. Bah oui, mais en même temps, bah voilà, ma canne, elle est plus enchantée, là. Bonjour, pour les fougous, perso, je les avais que sur la plage là où... Je les avais que sur la plage où tu as la maison de Vaiana et pas sur l'autre. Ah. Ouais, mais j'en ai eu un, moi, tout à l'heure, je crois. Ça y est, Thibou craque. Un tantinet. Hein. T'as 24 ans. Bah, en plus, c'est bien, c'est bien, c'est un bon âge, 24.
je passe une bonne journée. Eh bah tant mieux, Stitch, tant mieux. Écoute, il en faut, hein. Il y en a qui pêchent des fougous, là. Va, Salamèche, va. N'éteins pas ta flamme avec la douche. Ça serait ballot. Bon, écoute, je prends ça pour un signe du destin. J'ai pas les capotes, là. Hein. Voilà. Non, mais parce que je vais y passer la nuit, sinon. Et c'est pas le but. Donc, j'ai le seum, hein. Eh, j'y ai passé du temps, là. J'ai même utilisé une potion. J'utilise jamais de potion. Il est fou goût. Ah, j'ai quand même pêché celui-là. On sait jamais. J'ai déjà faim en plus. Allez. Oh, cette horreur là. Comme dit Mathieu, y avait pas. Oh, Mirabelle. Putain, mais lâche-moi. Oh. Au secours, hein. D'ailleurs, j'ai bientôt fêté 20 ans en avril. Imagine, ils sortent les manèges ce jour-là. Oh, Samo, c'est pas possible. Oh, je me sens là. Samo, c'est tellement Mirabelle. C'est ahurissant. C'est fou, hein. Quand tu remarques un truc, après, tu vois plus que ça. Ouais, là, c'est ça. Samo, il rêve du manège. Il mange manège. Ah, ouais, de ouf. Ça me stresse, j'entends ces bruits dans la boue là. Ça dépend des fois, Elise. Souvent 19h30 avec Kim, 19h, 19h30, le temps qu'on fasse à manger. Enfin, qui fasse à manger, on va être honnête. Mais ça dépend des fois. Des fois, c'est plus tard. Hein. Ça peut être plus tôt aussi, mais c'est rare. Non, c'est souvent ça. Bon, je vois pas d'autres champignons en plus. Le jeu, il me courrousse, hein. Ah, il y en a un là. Le jeu s'amuse à me courroucer. J'ai vérifié qu'il n'y en avait pas derrière le... Attends, il y a Dago, je rêve. Mais c'est pas possible. En fait, j'ai Vic et Samo qui me collent dans le jeu. C'est fou. Bisous, Victoria. Pour les pierres oranges, celles que tu trouves sur l'île d'éternité au niveau des ruines compte aussi. L'île de l'éternité. Vu où c'est. Ah si, oui, ok. Ok. Bon à savoir. Oui, Mina, mais oui. Ils sont braves. C'est mes petites glues à moi. Bon bah les champignons, j'en ai eu un quoi. Bon, 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 bon. C'est pas l'extase, hein. C'est pas l'extase. On va pouvoir juste finir celui-là. Il y a 10 gâteaux d'anniversaire à faire, ça va pas être la tanasse. Ah, ça m'embête pour les fugus là. Fugu, fugu. Ça vaut. Après, il reste 25 jours, hein. Puis toi, tu te connectes tous les jours, donc en vrai, ça va aller vite. Il faut quoi, donc 10 10 gâteaux d'anniversaire de princesse. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs? Ouais, burger de thon et thé aux perles. On va faire ça d'abord. Si, sardine, si, si, bah oui, si, oui. Mais j'ai bientôt fini, là. J'ai bientôt terminé. Bah je le savais, hein. Ah ça il en faut. Oh putain, je vais pas avoir assez. Ah oui non. Il va falloir acheter des trucs. Thé aux perles.
18h30 ou 20h55, au final, c'est du barium. Voilà, c'est ça. Est-ce que vraiment on a besoin de quantifier les choses? C'est quand il y en aurait eu une de plus dans la salle, j'aurais pu terminer le truc. Il fait noir là, par contre. Heureusement, il y a mon PC qui illumine bien, donc ça va. Ah. C'est quoi ce rire là? 10. J'en ai marre, il faut que j'arrête de les acheter par 5. Des œufs aussi. Allez, les gâteaux de l'autre là. Putain, en plus, ça coûte une blinde, hein. Faut que j'en fasse 10, après j'en fais quoi? Bah, je vais les vendre. Je vais clairement les vendre, en fait. On va se faire chier. Gâteau d'aurore, regarde-moi ça, là. Et c'est... 1. Deux. Trois. Quatre. Coucou mes zizou. Cinq. Six. Six petits culs. Sept petits culs. Huit petits culs. Neuf petits culs. Oui, c'est ça, sardine. Et 10 petits culs. Oui. Et je vais racheter du lait et des œufs parce que ça m'a tout pris. Allez, prends mon pognon là. Et yes, aïe aïe aïe. Du coup là c'est bon, j'ai tout placé. Hop. Ok, alors. Hop. Tu vois, ça c'est très bien. Qu'on ait ça maintenant, c'est l'idéal même. Nala. Comme ça, la prochaine fois, on aura juste à lui causer et on aura terminé le truc. Donc ça c'est très cool. C'est vraiment les meilleures missions à avoir quand tu veux arrêter le jeu en fait. Salut. Que fais-tu? Tu veux jouer à la bagarre? J'ai pas de griffes. Elle veut me poutrer la gueule quoi. Un bonheur. Ok, alors. Hop, donc, j'aime orange, on finira la prochaine fois, c'est quand même pas le plus fun, mais bon, c'est pas le pire. Les cadeaux pour Scar, on finit la prochaine fois, easy. Service au restaurant, ils en manquent un, donc easy. Ça, alors par contre, les poissons, ça c'est très casse-couille, j'aurais vraiment aimé qu'on le boucle, mais bon. Les champignons, je vais peut-être essayer de me connecter hors stream pour les avoir, jusqu'à ce qu'il en reste genre 5, faut que j'y pense, quoi. Et parler avec Nala, ça ira vite. On est quand même à 125, donc ça c'est pas mal. Je vais juste faire le tour ici pour les derniers minages. Ça va être toi, l'Eclipsa. Et après, on vend et on récupère nos récompenses du jour. Et on est good. Les poissons, une des dernières quêtes qui me reste, mais il pleut pas. Ouais, bah, j'étais dessus et je suis à 3 sur 5. Donc je compatis. Heureusement que c'est que 5 poissons. Ah ouais. Clairement. Oh, re-eclipsage compatible. Moi, c'était ça la semaine dernière. Cela dit, je vais avoir un gros week-end aussi. Ça va être bien rempli. Merci pour le follow, Laura. Bye, petit pissenlit. Et oui, on va manger, tu as raison, Nina. Qu'est-ce que vous mangez de bon, vous, ce soir? J'ai l'impression que l'événement, c'est que pêcher. Ah non, pour le coup, je trouvais que c'était assez varié. C'est juste long, par contre.
Il y a beaucoup beaucoup de trucs, vu qu'au début il donnait 5 petits trucs par quête. Des petites pizzas, une salade. Et voilà ta récompense. Et je récupère des pierres roses et pas des bonnes. Ça, de toute façon, le jeu il m'aime pas aujourd'hui. Hein, tu vois. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Des carbos. Puisque le stream finit bientôt, hop, quatrième verre d'eau, MDR, je vais devoir aller aux toilettes avec mes courses. Mais tu fais tes courses combien de fois par semaine, Vic? Mais c'est bien, hydrate-toi. Ok, alors on va vendre tout ça. Bisous, Yoru! Waouh, on a plein de trucs à vendre, c'est très bien ça. Ça, je vais les ramener à la baraque. J'aime tellement observer le monde des humains. Ariel me fait rire. Ceux-là, je vais peut-être les garder, hein. Les machins, là. Parce que ceux-là, je sais qu'ils sont, ils sont vachement demandés aussi. Et on va vendre les gâteaux, hein. Je vais passer déposer, ouais. Parce que t'oublies des choses. Parce que j'oublie des trucs. De quoi vous parlez? C'était quoi ma question? J'ai oublié ma question. Bah du coup ça répond bien. Oui, effectivement j'oublie des choses, oui. C'est fou, j'étais en train de regarder tes épisodes sur mon secret. J'arrive sur Twitch et je te vois en live. Ah bah c'est le destin, Laura. C'est pour Vic. Ah, vous répondez à Vic. Tu vas te foutre de moi si je te le dis. Ah d'accord, tu vas te foutre de moi si je te le dis. Enfin si j'explique pourquoi j'y vais souvent. Si c'est parce que tu oublies des trucs, c'est quand même effectivement très drôle. J'avoue. Hop. Non, ça, je suis déjà bien. Quoique, on va essayer d'en mettre 50 aussi. Hein. Ça sert à rien d'en avoir autant, mais bon. Ça, oui. Voilà. Du coup, j'ai un stock de tazards. Laisse tomber. Par contre, ce qui manque, Kikin, c'est que j'ai pas la place pour avoir les espadons. Bon, après, les espadons, en vrai... On m'en demande pas. Ça, ça va là. Très bien. Déjà oui, mais surtout si je prévois mes cours, j'oublie que j'ai acheté des trucs et ça pourrit. Mais ta cuisine est si grande que ça? Je pense que c'est optimisable, Vic, plutôt que tu te fasses chier à aller faire les courses tous les jours. Je suis pute. Qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais... Ça se travaille quoi. En plus ça vaut une blinde. Ouais, on va les vendre. On va les vendre. Vic, c'est les ombres moins sages et en meuf. Pas faux. Ah, tiens les tasses. Le merveilleux bonheur de... Ah, je l'éteins. Le merveilleux bonheur de Samo. Et du coup, tu voulais voir le truc de Dembo. Samo, j'étais presque oublié. Voilà. Elle est agréable la musique aussi. C'est comme à Disney, ouais. Disneyland Paris. Hop, on revend mes derniers trucs. Parce que les poissons à 700 balles, j'avoue que... On va pas se priver. 5000 balles, voilà. On est content, 5000 balles, on est content. Oui, c'est vraiment des manèges, oui, oui, oui. Alors, du coup, on a quand même 125 à récupérer. Je sais pas ce que je vise... En prio, prio. Prio, prio, prio. Je peux prendre un des outfits. On peut prendre un des outfits. On peut prendre Bob ou Sully? Oh, Sully, hein. Clairement, allez.
Sans, t'imagines comment ils se sont touchés quand même. Quasi tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça sert à ça. Hein. Et pour 25, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Sinon, on garde pour la prochaine fois. Il y a la petite peluche qui est là. Je vais prendre celui-là et le... Qui est sympa. C'est une vraie baignoire ça ou c'est un sticker? Moi j'aime bien la baignoire, elle est grave cool. J'en reviens pas qu'il donne une vraie baignoire pour 5. C'est le prix des stick-stick quoi. Et je vais prendre le sticker d'Hercule parce que je l'adore. Hop. Ça va être dur de dépenser 100. Ah bah là... Bah la prochaine fois en vrai, on va avoir 100. Mais pas forcément facilement quoi. Ce qu'on aura facilement c'est lui. Lui, lui. On aura 60 très facilement. Lui, il va falloir se battre un peu. Lui, je sais pas quand on l'aura. Et lui, je vais essayer de l'avancer un peu en amont. T'arrives à tout acheter en général? Ouais. À la limite, ce qui me manque, c'est un ou deux stickers seulement. Sinon, j'ai tout. J'ai toujours eu tous les objets, par contre, je crois. Non, peut-être une fois, il me manquait une statue moche. Enfin, c'était pas... Ça m'a pas arraché la tronche, quoi. C'est juste, ça m'a frustré pour mon côté. J'aime bien tout compléter. Il fait tout nuit. Et c'est la fin du stream. Oui, bravo nous. Oui. Et il va être 19h. Voilà, voilà, voilà. Ça fait 2h12 que je stream. Ce n'est pas raisonnable du tout. Je vous laisse là, mes petits charmants amours. On mettra le truc à Sully la prochaine fois. Ça nous fera une petite carotte de motivation. On se retrouve du coup demain en stream courrier, je pense dans l'après-midi, je ne sais pas encore à quelle heure, je vous tiendrai au courant, ça se trouve ce sera le matin, ça va dépendre de Kim. Je vous aime très très fort, passez une très bonne soirée, souhaitez-moi bonne chance pour la réu, s'il vous plaît, souhaitez-nous bonne chance. Et bah vivement qu'on se retrouve, bisous bisous et bon appétit de poupette également. Bisous! Il faut vraiment que je change cet overlay, il ne neige plus!